Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 56 du podcast Geeks & Com. On vous a raté la semaine dernière, on était très occupés, puis comme vous avez vu, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de tests qui sont sortis sur le site, dont François là, qui s'occupait du test de Horizon la semaine dernière. Alors, on a beaucoup de contenu à vous jaser ce soir, on est très excités de vous partager ça. Et on a toute l'équipe ce soir, alors Mel, Kev, Marc et Frank, je suis très content de vous avoir avec nous. On a des sujets chauds, des jeux qui sont encore fresh off the press, puis même on a Gran Turismo qui n'est même pas sorti encore, alors on aura des belles choses à vous partager. Puis à ce soir, on fait les choses différemment un peu, on fait le live sur Facebook. Alors, venez, pour ceux qui nous écoutent en différé, venez liker notre Facebook, notre page Facebook Geeks&Com et venez live de temps en temps. On est là le mercredi généralement vers 7h, 7h30. Salut! Salut gang! Merci, Sophie. Allô, maman! C'est donc la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé. On se retrouve Salut! dans Mais là, comment tu te sens, Kev, maintenant que tu joues enfin à Elden Ring? On s'en parle depuis assez longtemps. Ah! Non, mais honnêtement, je veux dire, aujourd'hui, je vais pouvoir parler de peut-être mes premières impressions. J'en ferai pas la critique parce que il me reste des heures et des heures. Mais je peux juste dire une chose, les journées sont excessivement longues parce que j'ai juste hâte d'aller jouer. Alors, je pense que ça en dit beaucoup. Good. Ben écoute, Marc, cue-moi donc le jingle, on va parler de nos jeux de la semaine. Excellent, merci Marc. Fait que je vais commencer cette semaine parce que j'en parle depuis un sacré bout de temps que je joue à Tales of Arise depuis le début de l'année en fait. Et puis je l'ai fini. Ça m'a pris, je pense, ça m'a pris 65 heures. Alors c'est quand même un jeu de longue haleine. J'ai vraiment trippé, super bonne fin. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout de ce jeu-là. C'est toute une aventure pour les JRPG. Je suis en train de préparer un article de mes JRPG préférés des comme dernières comme 2-3 ans là, pour que ce soit des jeux quand même d'actualité, puis on a du beau stock pour ça. On joue aussi à Triangle Strategy, évidemment, les trois premiers chapitres, là, on ne peut pas encore parler du jeu final, mais elle a joué aussi, tu as joué un peu à Triangle Strategy, principalement les trois premiers chapitres. Moi, je savais que ça allait être comme dans le même style qu'Octopath, puis là, c'est le fun de voir que ben, ce n'est pas juste un JRPG comme Octopath, mais vraiment un SRPG, donc plus un strategy. Un peu comme Fire Emblem pour ceux qui sont familiers avec le genre. Il y en a Alors, qui mentionnaient Final Fantasy Tactics c'est aussi. vrai, Très, très oui. similaire. Surtout avec le style HD 2D. Puis ça fait rire parce qu'en même temps, il y a Final Fantasy VI Pixel Remastered qui est sorti. Puis je suis comme, man, qui n'ont pas choisi le bon style visuel pour les remasters Pixel. Mais bon, ils sont quand même très appréciés. Donc, Triangle Strategy, Mel, t'as-tu aimé ça, tes trois premiers chapitres? Comment t'as trouvé? J'ai trouvé ça. Ben, en fait, c'est pas très long parce que ça prend 4 heures à peu près à compléter. Mais j'ai trouvé ça long parce qu'il y a Oh énormément de oui. dialogues. My Je God, ils sont en le train de placer l'enfer. les bases de Ah oui. l'histoire. Mais il y a un combat par chapitre. Fait qu'on s'est battu 3 fois. Ouais. Non, Honnêtement, mais j'ai trouvé ça hyper long. t'as J'espère que ça raison. va se développer dans l'histoire complète puis qu'on va pouvoir se battre plus parce que c'est ça qu'on veut faire, des combats. Moi, dans le fond, rendu au troisième chapitre, tu débloques une partie du campement qui te permet de faire deux combats pratiques de plus. Fait que juste pour avoir plus de combats, je les ai rajoutés. Ça m'a fait deux petites fêtes pratiques de plus là, qui me permettaient d'ajuster mes stratégies. Mais c'est le fun, écoute, ça me fait. Hey, Final Fantasy Tactique, c'est vraiment ça. C'est très. Tu sais, chaque personnage a son style, son approche. Pour ceux qui aiment les SRPG, je pense que ça va être le genre de jeu qui vont apprécier. Mais comme tu dis, ben, j'espère qu'il n'y aura pas autant de blabla tout le long là, parce que Mais c'est lourd. Là. ceci dit, j'ai beaucoup aimé, par exemple, le fait que notre personnage principal, c'est vraiment un chef d'équipe. Oui. Puis il doit parler à tout le monde pour décider de la prochaine destination. Puis après ça, il y a un vote, puis il va suivre la majorité. Oui. Fait qu'il faut qu'il parle à tout le monde pour donner son opinion, pour essayer de les faire changer d'idée si jamais tu sais qu'eux vont voter de l'autre bord. Fait qu'il y a cette petite twist-là que j'ai trouvée intéressante quand même. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va. Parce que c'est sûr que ça va impacter C'est l'histoire du sûr. jeu parce que c'est politique, c'est sûr, là. Tu sais, il y a trois régions avec
trois chefs, puis trois façons de voir les choses aussi. Puis là, ils doivent travailler ensemble. Il va y avoir des rivalités, c'est certain. Il va y avoir, tu sais, fait que c'est sûr que ça va jouer. Puis quelque part, c'est normal aussi qu'il y ait beaucoup de dialogue dans ce genre d'histoire-là aussi. Mais on veut se battre. Moi, je veux me battre. Ouais. Au moins, les dialogues, il y a de la narration, fait que c'est pas juste de la lecture sans cesse. Ça, ça aide. Moi, je t'avoue que ma Switch, en principe, est toujours en français. Fait que lire les titres en français puis écouter en même temps en anglais ça me mélange vraiment. Je trouve ça difficile. Puis des fois, je remarque quand il y a... Parce que je pense que quand ils font la traduction en français, ils prennent du japonais à français. Alors, s'il y a des choses qui sont perdues dans la traduction quand ils ont fait japonais à anglais, ben là, tu vois la différence entre qu'est-ce qu'ils disent en anglais et qu'est-ce qu'ils disent en français. Ça m'irrite un peu, mais bon... Ouais. Non, je sais, vous habituez. Oui, exact. On aura nos tests complets dans les prochains jours, dans la semaine, là. Exact. Ça sort vendredi. Voilà. Ça vient. Il y a beaucoup de personnages aussi. Ça, c'est la grosse chose qui m'inquiète, là. C'est que... Mais pas plus que dans Treehouse, là. Ben, c'est quand même beaucoup, honnêtement, puis... Mm-hmm. C'est peut-être aussi l'aspect visuel, le choix graphique qu'ils ont choisi, qui fait en sorte que, pas que tu différencies moins les personnages, ouais. mais on dirait qu'ils ont un petit peu moins de particularités chacun, propre à eux, parce que, je veux dire, ça finit par être tous des petits bonhommes. Mais c'est un peu overwhelming, c'est un peu saisissant de voir à quel point il y en a vraiment beaucoup, puis que tu fais comme, OK, mais j'ai juste fait trois chapitres. fait que ça va être quoi qu'on va m'en intégrer encore plus. Mais reste que, je veux dire, comme tu as dit, c'est le fun de voir que en même temps que c'est de la même équipe que Octopath Traveler, c'est pas la même chose qu'Octopath. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Visuellement, c'est la même chose, mais pas au niveau de l'histoire puis pas au niveau de la mécanique. Mais j'ai vraiment senti la différence avec la Switch OLED sur ce jeu-là. Vraiment, les couleurs, même si c'est un jeu HD 2D, là, c'est pas... Je trouvais que c'est les couleurs qui frappaient plus. C'est un des premiers jeux que je reconnais vraiment plus parce que je me souviens très bien d'avoir joué 60 quelques heures à Octopath. Puis là, ben, de voir les couleurs plus vibrantes, même je trouve l'écran, là, l'air, on dirait qu'on voit plus le champ de vision, le champ de bataille aussi. Alors, puis c'est un peu plus gros aussi. Alors, je sais pas, j'ai remarqué un peu la différence visuelle plus que d'autres jeux. Parce que techniquement, ça doit être le même. Il n'y a pas de différence de moteur graphique. Là. Non, c'est le même. Alors, j'ai trouvé ça bien le fun. Dernier jeu que je voulais parler cette semaine. Marc en a parlé au dernier podcast. J'ai joué beaucoup à Dying Light 2 avec des amis en ligne. J'adore le jeu. Le seul problème, c'est que notre progression ne suit pas. Alors, chacun doit faire l'émission, chacun de son côté, pour que ça soit enregistré. Je comprends au niveau du design que c'est volontaire parce que tu veux que tes choix aient un impact dans ta game, puis ça a un impact sur comment les choses se placent sur le terrain. Puis, bon, il y a des factions, fait que tu choisis quelle faction. Sauf que j'aurais aimé vraiment que pouvoir faire mes propres choix dans la game, puis que ça carry over, ça se maintienne quand je retourne dans ma game. Mettons que j'ai joint mon ami, que tout ça se garde. Mais tout ce que tu gardes, dans le fond, c'est le gear, les items que tu as trouvés, tes niveaux. Alors, je trouvais ça un peu dommage, là, puis ça me fait un peu suer parce qu'on n'aime pas ça, avoir à refaire deux, trois fois les mêmes missions, là, juste parce qu'il y en a un qui est un peu en retard. Alors, Marc, toi, t'avais-tu remarqué ce problème-là? Ça te dérangeait-tu aussi? Ouais, j'en avais parlé dans mon test complet qui est maintenant disponible sur le site de Geeks&Com, mais c'est quelque chose qui dérange, puis c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est un peu arriéré comme façon de penser. Il n'y a pas tout le monde, surtout que celui-ci, tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs. Ouais. C'est dur de trouver tout le temps trois autres personnes qui sont disponibles tout le temps à la même heure, à la même date, pour avancer ensemble. Tandis que s'ils avaient permis la progression qui soit partagée, peu importe, ben ça fait que la personne qui est un peu en retard sur vous, elle peut le faire de son côté, puis revenir avec vous autres pour la prochaine session, puis ce genre de trucs-là. Donc ça aurait été plus cool à ce niveau-là. Moi, de mon côté, j'ai terminé le jeu, je l'ai quand même apprécié, ça reste que c'est extrêmement similaire au premier. Oui. Donc il ne faut pas s'attendre à de grands changements. Il n'y a pas de fusil, hein? C'est ça que je trouvais drôle. Il y a un crossbow, il y a des bows, mais il n'y a pas de fusil cette fois. Non, effectivement. Il explique pourquoi aussi. Je trouvais ça un petit peu dommage, entre guillemets, dans le sens que le jeu a eu un développement assez tumultueux en plus de 6 ans de développement avec des rumeurs de crunch puis des rumeurs d'harcèlement et tout ça chez Techland. Ça a été beaucoup plus compliqué et on se dirait qu'on le ressent un peu dans le jeu. Il y a des trucs qui ont mal été terminés dans ce monde ouvert-là.
Surtout que dans un monde ouvert, ben, les problèmes et les bugs, ça apparaît un peu plus parce que tu as tendance à faire des choses que les développeurs avaient peut-être même pas pensé que tu allais faire. Ouais. Ça reste un bon jeu, je pense. J'ai mis 7.5 sur Geeks.com, donc c'est pas un mauvais jeu, mais ça reste que quelqu'un qui est tanné des jeux de zombies, c'est clairement pas le jeu pour lui parce qu'on est un peu sur une thématique vieillissante, entre guillemets, le zombie. Moi, j'ai du fun avec le côté parcours. Il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui prennent cette approche-là. Ça, c'est vraiment trippant. Puis, à un moment donné, tu pognes le glider. Le glider, il est le fun aussi. Pour, il arrive très tard dans le jeu. J'ai trouvé ça pendant. Il arrive très tard. Ouais. Après quelques missions, quand même. Puis sinon, toutes les sides, j'aime beaucoup l'aspect développement du personnage. Puis de gear et tout. Puis ça, c'est vraiment... T'sais, ils sont allés all out là-dessus. Là. Il y a vraiment beaucoup de choses, des crafting. Tu peux level up les choses que tu peux fabriquer, tes armes. Tu as plein d'endroits secrets à visiter pour essayer de looter, trouver des trésors. Puis ça, avec des amis, là, à un moment donné, on s'est écœuré de faire chacun une mission et de la faire dans la game de l'autre. Ouais, clairement. On a juste commencé à tout vider les gros endroits où est-ce que tu peux trouver des armes, des bonnes armes, des power-ups pour te monter niveau pour ton parcours. Puis honnêtement, se mettre à comme 3 personnes pour tabasser un boss, c'est le fun. Juste en mêlée, là, on avait du plaisir. Mais oui, c'est pas un jeu... Je pense que ça a l'air d'être le même moteur graphique que le premier Dying Light. Je confirme, c'est le même. Ouais, puis c'est pas... Ça vieillit pas très bien. Là. Non, malgré qu'il y a beaucoup d'effets de lumière, on voit que les effets de lumière ont été rajoutés sans doute pour cacher un peu de cache-misère. Cache-misère? Avec des textures qui sont un peu baveuses, comme j'ai écrit dans mon texte, là, donc vraiment des textures... Je t'allais loin, hein? Des textures qui sont... Mais comme c'est dans pas... Silent Hill 2, où tout ben, est c'est ça, c'est pas des textures pixelisées, mais c'est des textures un peu comme écrasées. C'est comme t'avais passé un pinceau sur Photoshop, genre, pour essayer de mettre les images ensemble. Ouais. C'est un peu ça, des fois, quand tu t'approches. Ouais. C'est vendeur. Écoute, comme j'ai dit dans mon test, ceux qui ont aimé le premier vont sans aucun doute aimer celui-là. Mais c'est sûr que si vous êtes tanné des jeux de zombies à monde ouvert que le but c'est de farmer et de ramasser des armes, c'est pas le jeu pour vous autres, là. Vraiment pas. Là. Mais tu sais, il y a pas une tonne de jeux coop du genre ces temps-ci. Non. Fait que tu sais, c'est comme. Non, le coop, il y en a juste pas ces temps-ci. Exact. Fait que pour moi, ça a fait un jeu que. J'ai un ami qui vient de se prendre une PS5, fait que ça fait comme notre premier jeu coop à jouer ensemble. Fait que j'ai trouvé ça cool pour ça. Fait que ça fait pas mal le tour, là. J'ai d'autres jeux, je peux pas en parler malheureusement, fait qu'on y reviendra dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et jouer à Elden Ring 2, c'est pour ça qu'il faut pas en parler. C'est jeu! Nice! Non, c'est Breath of the Wild 2, guys, non, c'est vrai. Le gars, il parle des rumeurs comme ça. Non, c'est pas vrai. Marc, ben, vu que tu parles déjà, parle-nous donc de ta semaine. Écoute, ma semaine est extrêmement rapide, on va en parler tout à l'heure, j'ai joué à Gran Turismo 7. C'est principalement avec moi. Oui, avec Mel, on s'est réunis ce week-end parce que ceux qui l'avaient d'avance avaient le droit de jouer ensemble. Et on s'est réunis pour faire quelques sessions. On va en reparler plus tantôt dans le test complet, mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait parce que je voulais sortir un gros test complet qui est maintenant disponible sur Geeks.com. J'ai déjà plus de 20 heures sur le jeu. C'est un dossier. Et là, il y a des choses que je n'ai pas parlé qui auraient pu être mentionnées, mais à un moment donné, il faut se calmer. Il faut en même temps, quand tu fais un test. Là, oui, oui, là j'ai tout testé. Mots, peut, ça marche pas. Exact, on peut pas me dire, Marc, t'as juste donné cette note-là, tu as presque pas joué. Non, j'ai tout essayé, tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu. On jouait en fin de semaine ensemble, puis il a passé son permis top. Là, oui, j'ai fini le permis. Mon Dieu, t'es vieux. Écoute, je suis comme ça. T'avais fait ça avant? Je sais. J'étais un peu retard, mais tu sais, mon permis d'F1, je l'avais pas encore. C'est celui qui me manquait. Il l'a eu pendant qu'on jouait ensemble. Oh là là, ben, c'est à peu près tout ce que j'ai fait cette semaine. Je voulais me concentrer sur GT7 et on va reparler tantôt. Ben, on va suivre avec Frank, vu que lui aussi, il a juste mis un jeu sur sa liste. Ben ouais, ben ça va être plate le monde qui nous regarde, là. Je veux dire. Moi aussi, j'ai pas fait grand chose à part continuer à jouer à Horizon parce que je pense avoir écrit un dossier moi aussi il y a 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Mais on va en reparler un peu plus tantôt avec la critique plus en détail parce que je continue à jouer vraiment beaucoup à Horizon parce que c'est très, très, très complet. Et ceux qui pensent qu'il y a 10 heures de contenu dans Horizon, ben vous trompez énormément. C'est vraiment énorme, en tout cas.
On en reparlera un peu plus tard. Fais-tu comme moi dans Horizon Forbidden West? Parce que il y a des choses qu'on ne veut pas spoiler parce que l'histoire est quand même assez importante. Puis moi, je vais voir les trophées de mes amis pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont débloqué, pour savoir si je peux parler avec eux autres. Non, parce que justement, on dirait que je veux rien savoir, je veux rien me spoiler, je vais rien voir de qu'est-ce qu'il y a à, dans des cartes en quelque part. Non, okay. Je veux tout trouver moi, par moi-même. Moi, je suis allée voir où est-ce que toi t'étais rendu la semaine passée quand on a sorti nos tests pour savoir où est-ce que je t'étais rendu par rapport à toi. On avait le même nombre d'heures à peu près, mais je t'étais rendu beaucoup plus loin dans l'histoire que toi. Fait que ça veut dire que t'as fait exploration. Ben ouais, moi je me suis promené honnêtement, tu sais, j'étais encore en train de me promener, puis j'avance pas tant la quête principale, même si je fais ce que le contraire que j'avais dit que je ferais, mais parce que j'avais dit même dans le test de peut-être pas faire ça pour pas s'écœurer, mais je m'écœure pas du tout, pas du tout, fait qu'en tout cas, on laisse un petit cliffhanger, puis dire ben, attendez tout à l'heure. Excellent. Merci Frank, mais Mel, vas-y. Yo. C'est qu'on peut voir partout, hein. Mel est sur tous les podcasts ces temps-ci. Oui, sur tous les podcasts au Québec. C'est naturel, c'est sorti de ça. J'ai joué à Horizon, Gran Turismo 7. J'ai aussi commencé la Ezio Collection Assassin's Creed sur Nintendo Switch, le portage. Puis je pense qu'on s'en était parlé dans un ancien, je pense le dernier podcast, parce qu'il était pour sortir, puis on avait des doutes un peu. Puis honnêtement, il tient la route. Je suis quand même contente. C'est sûr que je suis consciente que c'est un jeu d'ancienne génération qui, à la base, était sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360, qui avait eu un remaster justement dans le format The Ezio Collection, qui regroupait les trois jeux qui mettent en scène Ezio Auditore. Puis là, sur Switch, dans le fond, c'est le portage du remaster. Si on veut. Ouais, plus remaster, qu'ils ont mis sur Switch, mais il tient quand même bien la route. Il se compare quand même avec ce qui avait sorti il y a un an à peu près avec Rogue et Assassin 4. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai vu que Assassin 4 puis Rogue étaient là, j'ai pas eu des doutes une seconde. Non, c'est ça. Puis ça se compare vraiment beaucoup. Ça se contrôle super bien sur la Switch. Honnêtement, les jeux Assassin's Creed, ça, c'est le fun à jouer sur Switch. C'est pas en cloud. Non, c'est des cartouches, sauf que dans la cartouche, t'as Assassin 2. Si tu veux avoir Revelations et Brotherhood, faut que tu les télécharges parce que ça ne rentrait pas dans la cartouche. J'achète pas. Mais c'est pas en cloud. C'est télécharge. En fait, la même chose. Ouais, mais en fait, je suis pas surpris parce que même si d'autres studios font la même chose, ils ont fait ça pour Borderlands, ils ont fait ça pour BioShock aussi. Ouais, je le sais. Ah oui, mais c'est la taille des jeux aussi à un moment donné. Elle est trop courte pour la cartouche. C'est trois jeux complets, là, tu sais. Ouais, non. Surtout que la cartouche de Switch, le problème... Assassin 2 est dans la cartouche, c'est les deux autres qui ne le sont pas. Puis le problème, c'est ça, c'est que la cartouche de la Switch, en termes de stockage, ils peuvent pratiquement rien stocker dedans. Là. C'est pas mon problème. Mais ils peuvent stocker Assassin 2. Voilà. Ben, ils ont réussi à mettre Breath of the Wild qui est... ultra énorme dedans, pareil. Ouais, mais en termes de giga, pour avoir aller sur des sites. Quand de... tu développes comme il faut, puis que tu sais coder, ben ça rentre dans une cartouche. Exact. Je dis, ouais, mais là, c'est trois jeux. Tu veux-tu que ton jeu ça reste beau, quand même un bon l'air exemple. De la merde. Ça reste un bon exemple, mais Skyrim, il est où, lui? Ouais, mais c'est pas trois jeux. Skyrim est sur... Non, Skyrim est sur une seule cartouche. Je viens pas faire croire que Skyrim n'est pas l'équivalent de trois jeux Assassin's Creed. En termes de poids, du tout. Skyrim, en termes de poids, est aux alentours de 40 gigas. Assassin's Creed, c'est 40 gigas par jeu. Ben, ça n'a pas de bon sens. Mais un jeu de PS3. Mais sur PS3, c'était 40 gigas. C'est ça que les gens oublient vite. Ben, non. C'est que ça m'en vite. Je vous rappelle que maintenant, on a des jeux de plus 100 gigas. Hein. Gran Turismo, d'ailleurs, préparez-vous si... Juste un petit spoil de la critique, hein, préparez-vous, c'est en haut de 120 gigas. Ouais, sauf que t'as des textures de 4K avec HDR et tout machin. Que l'autre on va avait du... Non, mais l'autre, ça avait de la misère à sortir en HD. Là. Ouais, je sais, ils l'ont pas réoptimisé depuis sur PS3, Xbox 60. Problème, Xbox et PS3, ils étaient ce poids-là, ils l'ont pas refait depuis.
travaillez un peu, guys. À un moment donné, faut que vous la méritez, votre argent. Là. Comme je dis, ils ont vu les autres studios que ça n'a pas empêché les ventes. Borderlands et Bioshock qui sont très bien vendus. Donc, ils se sont dit pourquoi se casser la tête. Hein. Tout à fait. Ouais, t'as, chouette, t'as vraiment bien résumé ça en trois mots. Tout ça pour dire trois. Qu'il se tient très bien, qu'il est super le fun, puis que moi j'adore ça. On est là en train de bâcher dessus, en train de taper c'est... sur le jeu. Je vais le continuer, c'est sûr. Là-dessus, je vais le finir, même si j'ai encore les versions PS3 et 360. Puis le dernier jeu auquel je voulais parler rapidement, ça s'appelle Tandem, A Tale of Shadows. C'est un jeu qui était sorti au mois d'octobre, mais auquel j'ai joué cette semaine. C'est un petit jeu indépendant d'un studio français. Puis c'est un jeu, dans le fond, qui on joue une petite fille qui recherche un de ses amis qui est disparu. Puis elle joue en duo avec un petit toutou en peluche. Fait que c'est super mignon. Fait que on joue, dans le fond, la dualité entre les jeux, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Fait que t'as la petite fille qui se promène, puis il faut qu'elle, avec une lampe, puis elle crée des ombres pour être capable de faire avancer le petit toutou qui, lui, ne peut que marcher sur l'ombre pour faire un petit pont, dans le fond, pour passer d'une place à l'autre. C'est un jeu de puzzle, un jeu de casse-tête avec un petit peu, ça se passe à Londres, puis il y a une petite vibe, tu sais, les genres de jeux qui ressemblent à un visuel d'enfant, mais un petit peu horreur dans le style, puis je trouve ça vraiment cool. C'est, les puzzles, c'est de la réflexion. Les premiers sont faciles, mais je vais vous dire, à un moment donné, il faut réfléchir pour savoir justement comment on arrive à faire avancer notre ourson, puis en même temps arriver à débloquer des portes, puis contourner certains monstres. À un moment donné, tu as une araignée. À un moment donné, moi, j'ai eu une genre de pieuvre aussi qui essayait juste de m'attraper avec ses pattes, là. Fait que faut les contourner en même temps. Puis c'est le jeu entre l'ourson puis la petite fille qui chacun vont actionner des mécanismes et laisser ouvrir le passage à l'un et à l'autre finalement pour se rendre au bout du niveau. Fait que c'est vraiment mignon, c'est cute, c'est indépendant, c'est pas très long. Les tableaux sont courts aussi, sont quand même assez courts. Ce qui fait la longueur, c'est la réflexion des fois où il faut vraiment réfléchir à savoir comment ça fonctionne. Il y a des jeux de timing aussi dedans. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, je m'amuse. Puis, si jamais vous cherchez quelque chose de beau, bon, pas cher et pas trop long, allez-y. Bonne coupe, bon prix. Ben oui, ouais, bonne coupe, bon prix. Puis, si jamais vous voulez un gameplay, j'y ai joué sur Twitch hier. Fait que vous pouvez aller voir ma diffusion pour voir comment j'ai réussi à passer mes niveaux et à réfléchir. Good. Chouette. Excellent. Merci, Mel. Ça fait le tour. Oui. Parfait. Kev? Hey! Moi, j'ai joué à trois jeux. Le premier, Marc, je m'excuse, je t'ai balancé ça, j'avais complètement oublié, mais j'ai été voir le film Uncharted au cinéma il y a deux semaines. Mm-hmm. Si jamais vous n'avez pas eu la chance... Je vais en reparler après aussi, parce que j'ai oublié, mais vas-y, Kev. Ben, si jamais vous l'avez... Vous avez, finalement, il y a juste Marc qui n'a pas été... Il n'y a personne avec qui y aller, sauf mon chien. Bon. Puis les cinémas, ils sont pas les chiens. C'est vrai, Anthony, on est allés ensemble. Ça se fait aller voir un film tout seul. J'avais oublié que tu étais là. Wow! OK! C'est le fun, on est même pas invités. On est même pas invités, puis eux autres ne se rappellent même pas qu'ils étaient ensemble. Bon, ben écoute. C'est des choses comme ça. Hein. Mais honnêtement, c'est super bien. Je trouve que le film en soi a bien respecté l'environnement des jeux. L'acting est correct. Je m'attendais vraiment à ce que Mark Wahlberg fasse un très mauvais Sullivan, mais finalement, il est pas si pire correct que ça. Il y a une bonne dynamique, les deux, moi, je trouve. Il est correct. Exactement. Il était cool, les deux ensemble. Il y avait une bonne répartie l'un et l'autre. Ouais, il y a une bonne synergie entre les deux, fait que ça, c'est quand même cool. Je pense que c'est plus du côté des méchants que je trouvais que c'était excessivement mauvais. Ouais, Antonio Banderas. Hey my God, ça vole pas haut. Mais le côté énigme et résolution, là, c'était vraiment chouette. Là, c'était bien. Tu le sais, là, tu rentres
tu t'amènes un popcorn, tu mets ton cerveau à off, tu t'amuses, puis à la fin, c'est fini, puis tu fais comme genre « Ah, ouais, OK, cool. Ouais. » Tu as même un petit clin d'œil avec, avec l'acteur qui a fait Nathan dans les jeux. Hey, moi, j'étais comme « Oh my God! » Ma blonde, elle comprenait absolument rien de ça. Je l'attendais tellement, j'avais tellement hâte qu'il arrive. Là. Elle je était là, puis elle était comme... J'étais seule à avoir moi aussi, dans ça. Moi aussi, j'étais comme « Oh my God! » C'est vraiment ce qu'il dit. Ah oui, quelque chose de presque la même chose. Anyway, je veux pas Il fait une référence justement au fait que c'est lui qui fait la voix, mais en même temps, si tu n'as pas joué au jeu ou que tu connais pas l'univers, tu n'as absolument aucune idée de quoi il parle. Tu connais pas l'acteur, tu sais. Ben aussi, non, c'est ça, parce qu'il est vraiment random en plus. Ouais, c'est ça. Le gars, il n'est pas très connu. Il est connu pour faire des voix plus qu'autre chose. Fait que. Mais bon, bref, c'est vrai que c'était un super beau clin d'œil. Fait que c'était correct, mais ça m'a donné surtout envie de jouer au jeu. J'ai fait les trois premiers il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que j'ai fait Colin. T'es capable de les faire en deux semaines. Je l'ai fait. Le 2, le 3, le 4. C'est pas loin, là, honnêtement, mais j'avais pas fait le 4 parce qu'il ressortait au PlayStation 5. Je me disais peut-être qu'éventuellement je vais me le procurer. Finalement, j'ai fait. De la chenoute. Je veux jouer maintenant. Alors, j'ai payé l'extra pour avoir le upscale sur PlayStation 5. Ah, ben c'est 15$. Ben exactement, 15$. Ouais, je veux juste renchérir là-dessus. Moi, je l'ai fait avant, là. Fait que ça m'a donné un billet gratuit pour aller au film. Ouais, je sais. Mais ce que j'ai trouvé encore plus cool quand j'ai mis le petit coupon dans l'appli Cinéplex, là, c'était pas un billet, c'était 30$. Ouais. Tabarnouche, avoir su. C'était le montant, c'est ça. Fait que ça pouvait couvrir un billet et demi à peu près, tu sais. Ben, même quasiment deux. Tout dépendant du moment de la journée. Fait que, tu sais, moi, j'étais allé avec les enfants et ma blonde. Fait que j'ai fait comme. Hey, un mardi, c'est 8 billets quasiment. c'est la salle au grand complet. Tu peux amener qui tu veux. Ça existe ça encore, les mardis aussi. Mais ses enfants. Oui, ça existe encore, mardi. Ben, tu sais, quand j'ai vu ça, je fais comme, tu sais, c'était pas ça le but, mais je m'étais dit, ah, oh, ben, même sur le vendredi après-midi, bon, la valeur de mon billet est moins grande, mais c'est pas grave, je fais 30$. Ah, oh, ben, Colin, surtout que l'upgrade est 15$. Ben oui. T'sais, c'est. Finalement, il te donne 15$. C'est ça, exactement. Il te donne, c'est comme s'il te fait un cadeau de 15$. Ben oui, c'est correct. Fait que, mais bon, bref, mais moi, j'ai pas été aussi brillant que ça parce que je m'attendais pas à jouer à Uncharted 4. immédiatement ou presque, parce que j'attendais Elden Ring, on s'entend. Puis honnêtement, je veux dire, je regrette pas d'avoir payé 15$, mais dans mes souvenirs, Uncharted 4 était déjà excessivement beau. J'ai vu aucune différence par rapport à la version précédente, mais je dois admettre, j'ai pas de télé 4K, fait peut-être que c'est ça qui fait la grosse distinction. Mais je veux dire, j'ai juste fait encore, ben, Colin, le jeu était beau avant, il est encore super beau. Yes, sir. Go. Je continue à jouer, puis j'ai bien du fun. Donc, ça reste encore excellent. Mais quand tu payes le 15$, t'as-tu aussi Lost Legacy? Yes. Oui. C'est ça qui est le fun. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est 15$ pour deux jeux. En fait, ce qui est encore mieux. C'est la collection que ça déborde, en fait. Je ne l'ai pas essayé, là, parce que je pense que c'est comme ça, mais. T'as juste besoin d'avoir soit Uncharted 4 ou Lost Legacy. T'as pas besoin d'avoir 15$, tu te retrouves à avoir l'autre. À noter que même pour une fois, Sony a appris aussi, même ceux qui ont obtenu Uncharted 4 via le PlayStation Plus, vu qu'il a déjà été donné via le PlayStation Plus, ont accès quand même à cette mise à niveau de 15$. Ah ouais? Ben, il est pas. Ben, il fait partie des hits. Non, c'est le 1 à 3. Ah, c'est la collection Nathan Drake Collection. C'est vraiment quand il a été donné, il y a un bout, là, c'était sur PS4 qui avait été donné. Là. Il y a encore des jeux qui sont donnés, non? Quand tu es abonné PlayStation Plus et que tu as ton PlayStation 5. Il est dans la PS Collection. Oui, la PS Collection, mais c'est à part. Non, il n'est pas dedans. Je parle vraiment de ça. Dans la PS Collection. Non, mais dans les. Tu sais, quand tu achètes ta PS5 et que tu es abonné à PlayStation Plus, tu as genre 20 jeux gratuits. Ouais, à peu près. Tu as Persona 5 qui est là-dedans. Tu avais Persona 5. Ouais, c'est tout un bundle. Là. Ouais, puis il y a là-dedans le 4. Il y a Monster Hunter World là-dedans, Resident Evil 7.
Call of Duty. Ah oui, il est dedans. Ouais. Fait qu'il est dedans. Fait que je sais pas si tu prends lui, que tu payes 15$, ça fonctionne. Bref. Celui-là, je sais pas. Je sais que ceux qui l'ont reçu comme moi à l'époque. On a peut-être trouvé une façon de contourner. C'est ça. Ceux qui l'ont reçu comme moi à l'époque via le PlayStation Plus, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Ou tu l'achètes en vente à 9,99$ puis tu payes 15$ de plus pour les deux. Ça t'a coûté 20$ ou 25$ pour deux jeux. Tu sais. Ouais. Tout ça pour dire, c'est excellent, jouez-y si tu n'y avais jamais joué. Sinon, ben, finalement, je voulais faire juste un préambule puis en parler super rapidement, mais finalement, on en a parlé comme ça n'a pas de sens. Mais celui-ci, je vais en parler super rapidement. Je vais appeler ça une critique spring-spring parce que, Colin, que ça ne mérite quasiment pas que j'en parle. Il y a eu le fameux Nintendo Direct 9 février passé. Plein de jeux qui ont été annoncés et à un certain moment, vers la fin, il y a eu comme 4 ou 5 jeux qui ont été balancés super rapidement. Et parmi ces jeux-là, il y avait un jeu qui m'intéressait super gros, qui avait été annoncé il y a quand même un bout de temps, qui s'appelle Getsu Fumaden, Undying Moon. J'adore quand Kev nous parle. Quand je prends ma voix... Quand ton accent comme ça, c'est japonaise. Ma voix japonaise. Mais bon, bref, Getsu Fumaden, Undying Moon, est un jeu de nos chers amis Konami, qui sont d'ailleurs encore en vie. Des fois, on oublie parce qu'ils font absolument rien. Ils font pas des jeux avec des messies bizarres, là. Sur Internet, là? C'est pas avec ça, des là. Quoi? Des Messi bizarres, là? Des Lionel Messi bizarres. Ouais, ouais, ben ils font des jeux de soccer pas finis, puis qui disent que ça va être cool. Puis qui annulent le jeu qui est toujours pas sorti. Ils ont quand même plein de licences intéressantes et ils font absolument rien avec. Pire encore, ils perdent leur droit de site web comme Silent Hill. En tout cas, ils font n'importe quoi finalement, gang d'imbéciles. Mais ce qu'ils font, par contre, c'est de décider de reprendre un jeu qui est sorti dans les années 90 sur Nintendo à l'époque et de faire « Hey, on va faire une suite de ce jeu-là obscur que personne ne se rappelle. » Et on personne va espérer... a demandé. Et personne n'a demandé, effectivement. Puis on va espérer que ça fonctionne. Et la réponse dans ce cas-ci est un retentissant non. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment dommage. Le jeu en soi, tu es un guerrier qui est le chef de son clan. Et tu dois détruire rien de moins que le mal. Mais par la même occasion, ben, tu cherches ton frère parce que il est perdu, le grand champion. C'est le mal. Tu sais, c'est comme genre, hey, je dois vaincre le démon absolu, sauver l'humanité, mais en même temps, je cherche mon frère, je sais pas, il est où. Il se met dans le trouble tout le temps. Écoute, dans Balance, hein, on s'entend-tu que les deux s'équivalent? mais bon. C'est un roguelike, un peu, qui se veut un peu, je dirais, à la, le fameux jeu super bon, ça va super bien, j'ai oublié le titre. Cell. Dead Cell, merci, j'oubliais le premier mot. Donc, un peu à la Dead Cell, dans laquelle c'est un jeu de plateforme que vous devez vaincre des ennemis sur votre chemin. Et au final, une fois que vous êtes rendu vers la fin du niveau, ben vous affrontez un énorme boss qui, honnêtement, sont super cool. L'esthétique des boss est vraiment écœurante. Des fois, ils prennent la grandeur de l'écran, puis c'est vraiment très cool. Le seul défaut du jeu, c'est le défaut qui fait en sorte que le jeu il devient excessivement mauvais, ben c'est le temps de réponse par rapport à l'action que vous faites. Le jeu est hyper saccadé, c'est super lent. Votre personnage, quand vous appuyez sur un bouton, répond à une fraction de seconde après, ce qui fait en sorte que ça fait la grosse différence entre vous faire toucher ou ne pas vous faire toucher. C'est vraiment frustrant. Le jeu est excessivement mauvais par rapport à ça. Ce qui fait en sorte que quand même, le jeu a une place d'amélioration. Si le studio s'y travaille un peu, ben, peut-être que le jeu éventuellement va être bon. Ouais. Et l'autre truc, ben, c'est que malheureusement, le jeu est laid. Le jeu est laid sur mode portable sur la Nintendo Switch parce qu'il est sur PC et sur Switch uniquement. Sur PC, j'imagine qu'il roule super bien, mais sur la Switch, au moment où ce que vous êtes en mode portable, c'est affreux. Tant que ça. Je comprends que la Switch, c'est du 720p, puis que, je veux dire, it is what it is, mais on dirait qu'on est tombé dans un autre niveau, là, c'est vraiment pas beau. Fait que
je veux dire, même sur une OLED, ben, ça fait juste empirer la situation. Le jeu est encore plus... Penses-tu que... Tu sais, moi, je me demande, est-ce que Konami essaie de voir si ce studio-là serait capable d'éventuellement faire un Castlevania en essayant avec un jeu comme une série peut-être. Connue? Ouais, peut-être, mais ça me rassure pas. c'est ça. Il s'est cancellé, le plan est cancellé. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est triste, mais c'est ça. Ça fait juste en sorte que, honnêtement, le jeu, ça ne donne pas le goût de continuer. J'ai donné une note de 5.5 sur 10. Je pense que c'est la pire note que j'ai jamais donnée dans toutes mes critiques depuis. Voilà. Mais t'es plus déception parce que t'avais un hype, toi, dessus. J'étais vraiment hypé. Ouais. Tu te rends compte que t'as été plus sévère que j'ai déjà été? Ben écoute, Marc, moi, quand j'aime pas, j'aime pas. C'est l'élève a dépassé le maître. c'est drôle parce que... Moi, mon 5.5, c'est un mauvais. Toi, c'est un dans la moyenne. Fait que ça fait quand même une différence. C'est là. Triste, la moyenne de 5.5. Il y a quand même des craqués qui ont donné 9.5, puis ça, après, ça descend jusqu'à 5. Non, c'est... All over the place. La personne qui embarque sur un 9.5 pour ce jeu-là, c'est de la nostalgie pure. Là. C'est quelqu'un qui a aimé le jeu à l'époque, puis lui, il pense encore que c'est comme... C'était mon jeu préféré quand j'étais jeune, mais ça va l'être encore aujourd'hui. Ben, je te dirais comme ceux qui ont noté très très haut le portage de Mario 64. Ben, c'était excellent. Bon point. Non. Non, mais c'est correct. La nostalgie, pour certains, a fait un effet. Puis, moi, j'ai adoré. Ça t'amène quelque part qui te donne des bons souvenirs. Mais pour un gars qui n'a absolument aucune idée de ce que c'était auparavant, ben, ça n'a eu aucun effet. Fait que n'y touchez pas, à moins d'être en très gros rabais. C'est dit. Sinon, ben écoutez. Je peux pas vous faire la critique complète de Elden Ring parce que il y a du stock pour rien qu'un peu, mais je peux vous faire un rapide parcours, un petit tour d'horizon et vous donner mes premières impressions parce que j'y ai quand même joué pas si mal. Le jeu est sorti vendredi passé. J'ai passé ma journée complète de samedi sur le jeu. Je n'ai pas bougé de mon divan. Je pense que j'y ai passé à peu près 10-11 heures cette journée-là uniquement, ce qui n'était pas arrivé depuis très, très, très longtemps. Depuis Sekiro. Peut-être, mais non, même pas, je crois pas. Je veux dire, les jeux maintenant, c'est... Non plus. Non, ok, j'exagère. Je crois pas non plus. Mais les jeux, c'est ça, c'est rendu par petits bouts. Un, parce qu'on est occupé, puis deux, parce que rendu après un certain temps, je veux dire, on est tanné, on veut faire autre chose. Mais l'affaire avec Elden Ring, c'est que Colin... Tu veux pas faire autre chose. Non, c'est ça, il y a du stock... C'est juste hallucinant. Tu te retrouves devant un monde tellement ouvert. Tu peux aller faire ce que tu veux, de la façon que tu veux. Et aussi, la particularité que j'ai avec Elden Ring par rapport aux autres jeux de From Software, vous le savez, je veux dire, je suis un vendu. Là. Vendu. Ce qu'ils font pour moi, c'est du bonbon. Puis je fais juste en demander plus et plus et plus. Ce qui me fait rire quand on parlait de quoi qu'on parlait tantôt. Ah oui, Dying Light 2, puis qu'on disait... Ben, tu sais, les jeux de zombies, à un moment donné, on est un peu tannés, là. Ben, je suis désolé, mais non. Quand tu as la recette, puis que tu es capable de faire quelque chose qui a de l'allure à chaque fois, From Software, on dirait que c'est ça qu'ils sont capables de faire. Je comprends, la thématique n'est pas nécessairement la même par rapport au Dark Souls, Demon's Souls et tout. Mais on reste encore dans nos bonnes vieilles pantoufles à un certain point. Les mécaniques, on les connaît. On sait que... Tu sais, l'expression « if it's not broken, don't fix it », ben c'est exactement ça qu'ils font eux autres. Je veux dire, tout fonctionne. Ils ont rajouté deux grosses nouveautés. Le fait que votre personnage peut maintenant sauter et faire une attaque. Et le fait que vous pouvez maintenant faire, on va dire, du camouflage un peu, d'être sneak puis d'attaquer les ennemis par surprise. Ou même de passer à côté des ennemis pour pas que vous soyez aperçu. C'est deux grosses nouveautés. Mais sinon, le reste, ben on remplace des souls par des runes. Même l'intro du jeu en soi, la cinématique de départ, on te parle d'une affaire qui a comme chamboulé l'univers. Pareil à Dark Souls et à Demon's Souls. On dit qu'il y a eu des anciens rois, des anciens personnages de grande envergure
qui étaient dans cette place-là, puis on te les nomme, puis on te les présente. Même chose que Dark Souls, puis Demon's Souls. Je veux dire, la présentation reste la même, mais Colin, t'as encore une envie d'embarquer, t'as encore envie d'être dedans. Désolé pour ceux qui se disaient « Wow, c'est la première fois qu'un jeu From Software m'interpelle, l'univers a de l'air génial, je veux embarquer dedans, mais j'ai jamais joué. » Ça va fesser, ça va faire mal. Je vois plein de monde sur les réseaux sociaux parce que le hype pour Elden Ring est tellement grand qu'ils veulent tous l'essayer. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Mais en même temps, je suis super content de voir l'approche qu'ils ont donnée pour Elden Ring pour amener les gens à l'essayer. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disaient « Ben non, c'est pas pour moi, puis jamais je serai bon là-dedans. » Mais peut-être qu'ils vont persévérer, puis peut-être qu'ils vont embarquer dedans. Parce que, honnêtement, oui, le jeu est encore super difficile. Le premier boss que je nommerai pas, je l'ai peut-être eu après quoi, une vingtaine de tentatives. Puis je veux dire, je suis habitué à la mécanique des jeux de From Software, puis je me considère comme quelqu'un qui est quand même bon, là. Mais j'ai eu de la misère, mais par contre, la différence, c'est que moi, je suis quelqu'un qui s'acharne, quelqu'un qui persévère, puis qui est têtu. Fait que c'était comme, no way, pas vrai que je vais aller faire autre chose sans l'avoir tué, puis je l'ai battu, je pense que c'était 1h du matin, puis à un moment donné, j'ai fait comme, ok, bon, c'est fait, je vais aller me coucher, là. Mais par contre, contrairement aux autres de jeux de From Software, c'est que si jamais j'avais fait comme genre, ok, c'est-tu quoi, j'y arrive pas, je vais faire autre chose, mais cette fois-ci, j'ai l'option. Cette fois-ci, je peux me dire, OK, ben, j'arrive pas à le battre, je vais aller ailleurs. Je vais aller au nord, je vais aller au sud, je vais aller à l'ouest, à l'est. Je reviendrai plus tard pour m'améliorer puis d'être en mesure de le battre. Cette fois-ci, je peux. Puis j'ai pas juste un chemin, j'ai plusieurs chemins que je peux prendre pour aller faire autre chose. C'est ça qui est le fun de ce jeu-là. Après avoir battu ce boss-là, honnêtement, j'avais peut-être quoi, 7-8 heures de jeu. Je suis rendu à 20h, j'ai rien accompli d'intéressant. Genre, je me suis promené de gauche à droite, j'ai été dans tous les sens en me disant, ben, sais-tu quoi, cet endroit-là ne m'interpelle pas, ça, comme je le trouve correct, mais sans plus, je vais aller voir ailleurs de quoi ça a l'air. Puis finalement, c'est juste ça que je fais. Je découvre des petites places ici et là qui font en sorte que ça rend le jeu encore plus intéressant. Colin, c'est pas une critique complète, mais j'ai quasiment l'impression que. Mais jusqu'à maintenant, honnêtement, je trippe. Ça s'enligne pour pas le meilleur jeu de l'année. Ça s'enligne pour être le meilleur jeu de tous les temps, à mon avis. Oh, arrête, là. Rien de moins. Rien de moins. Arrête avec tes Gotti. Mais c'est ça, là, ça je veux dire. T'as fait 4 Gotti que t'as depuis le début de l'année, déjà. Hey, là, c'est pas Breath of the Wild, là. Calmez-vous, c'est, là. Puis comparé à Dead's Door, c'est quoi? Non, on est ailleurs, là. Je suis désolé, là. On est à un autre niveau, là. C'est juste le nombre de possibilités puis de ce que tu peux faire, comment tu en as envie. C'est juste énorme, là. C'est que ça. Il n'y a aucun défaut, le jeu, à date. Colin, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui est pas vraiment habitué, là, je sais que tu l'as dit que c'est une pelle d'en face, là, mais... peux pas tracker tes quests, là, fait que bonne chance, là, le pauvre gars qui déjà s'enfuit des monstres, en plus, il va se perdre. Parce que moi, il me titille un peu, celui-là, quand même, mais bon. Ben écoute, ce que je peux dire pour quelqu'un qui est vraiment nouveau, puis que... Genre, il voudrait essayer Elden Ring, puis qu'il dit, genre, ça m'interpelle, puis c'est quoi tu me conseilles? Ben, tu sais, la première chose, c'est, il y a un tutoriel. Et le tutoriel dans celui-ci est, à mon avis, plus complet qu'il était dans les jeux précédents. Et tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc, tu décides de passer par le tutoriel, ça te donne quand même un bon aperçu de ce qui t'attend. Puis après ça, ben, je sais que ça rend peut-être l'expérience moins intéressante, mais en même temps, ça l'aide beaucoup. Aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Internet. Tu as comme plein de possibilités, plein de trucs qui te sont donnés, plein d'alternatives qui te disent, ben, écoute, si tu as de la misère à cet endroit-là, va à cet endroit-là à la place.
Je sais que ça spoil un peu l'histoire. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de ne pas aller sur Internet du tout pour avoir tous les effets de surprise que le jeu peut me donner. Mais c'est quand même une bonne possibilité puis qui peut t'aider si jamais tu t'acharnes. L'autre chose aussi, c'est que le multijoueur est beaucoup plus accessible à Elden Ring qu'il était dans les autres jeux de From Software. Fait que si jamais tu veux jouer avec un ami, si jamais tu veux appeler de l'aide pour voir qu'est-ce que c'est, ben, je veux dire, c'est toujours possible, puis ça l'aide beaucoup à l'expérience, puis ça rend le jeu, honnêtement, différent, puis tu t'amuses pas tout seul, puis si jamais après ça, tu te rends compte que tu deviens meilleur, ben, tu continues soit tout seul, ou sinon, ben, Colin, ta deuxième partie, ce sera peut-être juste toi tout seul, sans avoir à faire d'appel au multijoueur, fait. Ça l'aide beaucoup. La classe de personnage que tu choisis au départ va pouvoir aussi te donner, t'aider, non? Il y a une classe plus facile, justement, pour quelqu'un qui commence que d'autres. Tu sais, comme Demon's Souls, tu m'avais donné des trucs, justement, tu m'avais dit, Mel, prends tel personnage avec tel pouvoir, puis ça va te donner une chance de pouvoir avancer. Tu sais. Ça a toujours été ça avec les jeux de From Software, puis c'est encore la même mécanique. Dans le sens où, est-ce que oui, la magie, elle reste importante, puis elle t'aide beaucoup à rendre le jeu plus facile au départ. Oui, il y a certaines stats que tu dois améliorer pour rendre le jeu plus facile, mais le personnage en soi, il est plus ou moins important parce qu'après ça, c'est en fonction des stats que toi, tu décides d'améliorer qui fait en sorte que ton style de jeu va différer. Tu sais. Fait. Mm-hmm. Oui, c'est important, mais encore une fois que tu évolues dans le jeu et que tu t'améliores ton personnage, c'est comment tu vas l'améliorer qui va faire une différence au niveau de ton style de jeu et du plaisir que tu vas y avoir. Là. Fait que voilà, je vous en reparle encore plus dans 2 semaines. Et tout au long de l'année, j'ai l'impression. Ça risque d'être effectivement. C'est pour les 10 prochaines années. Ouais, je vais pas le lâcher d'ici là. Puis à un moment donné, c'est juste parce qu'il va y avoir autre chose qu'il va falloir que je fasse. Parce que je veux dire, il y a plein d'autres jeux qui s'en viennent. Là, je veux dire, on a juste Triangle Strategy. Il a pas mangé. Ouais, ben ça, c'est des détails, là, des picadilles. C'est ça. Alright. Good. Ben écoute, c'est excitant. Dès que j'ai un peu de temps, je vais m'y mettre parce que je l'ai commandé. Même je m'étais dit que je le ferais pas, mais des notes m'ont convaincu. Puis je vais sûrement faire comme Demon's Souls, c'est-à-dire commencer puis le lâcher après 20 minutes. Fais pas ça, s'il te plaît, Anto. Laissez mes amis l'essayer chez nous. Hey, check, il est bon, je veux là. Alright, bah, écoutez, ça fait le tour de nos jeux de la semaine. Passons aux actualités. Excellent. Donc, il y a quelques semaines, en fait, c'est assez récent, la série Cuphead est sortie sur Netflix. Mm-hmm. Puis, c'est super déjà... fun. Oui, puis ils ont déjà annoncé une deuxième série. Apparemment, c'est bon pour les enfants aussi. Les enfants de Maxime ont l'air d'apprécier. Donc, non, vraiment, c'est une série que je vous conseille, hein, qui est développée, bien entendu, en collaboration avec le studio canadien qui a fait Cuphead, MHDR. Et, MDHR, peut-être aussi. Ils ne peuvent pas avoir un nom de studio pour ça. Bref, c'est hyper le fun comme série, pour vrai. Moi, je trouve ils empruntent un petit peu le chemin qu'on retrouvait des anciens cartoons, c'est-à-dire qu'il y a de la lecture à 2 niveaux. Donc, c'est adressé aux jeunes, tout comme c'est adressé aux adultes, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est des épisodes d'environ 15 minutes seulement, 10 épisodes. Ça se binge-watch. Il y en a 12. Ça se binge-watch très, 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 très bien. Il y en a 12, qualité... j'ai écouté le 11 tantôt. Ah. Fait que ça fait qu'on est juste 10. La qualité de l'animation, pour vrai, la qualité de l'animation est toute exceptionnelle. Le doublage original et le doublage français, les deux sont sur la coche. Vraiment, québécois, c'est... doublage québécois ou... Non, c'est un doublage à la Netflix, donc ça a été fait par les studios en France. Mais, mais ça fait vraiment penser le doublage au dessin animé qu'on regardait quand on était jeune. Parce que quand t'en regardais quand t'étais jeune, c'était du doublage français, c'était pas du doublage québécois. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent. Je me suis surpris, je croyais pas autant rire, puis il y a plein de fois que je suis parti à rire tout seul. Parce qu'il y a des références au jeu, que si vous avez joué au jeu ou si vous êtes un gamer, vous avez cette référence-là, puis c'est vraiment drôle. Bref, c'est une série que je vous conseille. Mais c'est pas obligatoire Netflix. D'y avoir joué pas ou de tout. Connaître non. Des jeux Cuphead. Vous pouvez juste vous lancer dedans, puis c'est savoureux. Non, si vous êtes en manque de vieux dessins animés, clairement,
c'est fait pour vous. Excellent. Fait que la saison 2 va arriver déjà cet été. Ben oui, ça a été annoncé aujourd'hui même au moment où on enregistre le podcast. Voilà. Autre grosse annonce de la semaine, puis ça, je ne l'ai pas vu venir, mais Game Freak est déjà prêt pour la prochaine génération de Pokémon. Ouais, personne n'a vu venir. Ouais, c'est ça. Tout le monde est comme, vous êtes sûr là? On est encore dans Arceus. Vous voulez pas attendre un an ou deux, genre, avant de le sortir? Non, non. Ils planifient de sortir ça pour les fêtes, donc probablement au mois de novembre, comme c'est la tradition. Ouais. Donc, Pokémon Scarlet et Violet, et apparemment, c'est un open world, donc ça va se baser probablement beaucoup sur Arceus. Fait que je m'attends à ce que ce soit les mêmes commentaires. Le jeu est pas beau. Ben, le jeu est pas beau. Le trailer montre que le jeu est pas beau. Voilà, c'est plate à dire, mais à un moment donné, il va falloir... Ça va être le même argument. Non, mais c'est ça. Mais à un moment donné, il faut quand même arrêter de rire la vie des gens. Legend Arceus aura même pas un an, puis tu annonces un nouveau jeu déjà, puis on sait que Game Freak n'est pas le studio de développement avec le plus de talent dans le monde non plus. J'ai peur pour le jeu, pour vrai, là, parce que... Je sais pas ce que ça va donner. Tu sais, oui, une 9e génération de Pokémon, c'est intéressant parce que ça amène des nouvelles créatures. Mais je sais que les derniers ont été coussi-coussa. Pokémon épée et bouclier, même s'il était intéressant, il a été moyennement bien reçu. Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir. Et comme on parlait tantôt, il y en a qui sont capables de faire du Breath of the Wild. Ben, à un moment donné, je sais pas, il va falloir parler chez Nintendo. Puis dire, hey Game Freak, vous connaissez les studios avec lesquels on travaille, ça vous tente pas de communiquer ensemble puis d'essayer de voir ce qu'on est capable de faire? Parce que je rêve à un Pokémon avec le moteur graphique de Zelda Breath of the Wild, vraiment là. Puis je sais que ce serait faisable, entre guillemets, techniquement, ça l'est. À voir à ce qu'ils veulent le faire, ça c'est autre chose complètement. Je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt pour une nouvelle génération de Pokémon parce que je trouve que Legend Arceus n'aura pas eu la chance de se faire son petit bout de chemin, n'aura pas eu la chance d'avancer. Tu sais, ça aurait pu être le jeu offert à Noël, au prochain Noël, mais ce ne sera pas le jeu qui va être offert parce qu'il va y avoir le nouveau Pokémon qui va sortir, qui va un peu le remplacer, alors que tu nous en avais parlé, Anthony, qui malgré les graphismes boboches, ça restait quand même, l'un pour une fois, ça apportait beaucoup de nouveautés en termes de gameplay et de jouabilité. Et c'est ce que je trouve dommage. J'ai l'impression qu'on va rapidement oublier Pokémon Legend Arceus. J'espère que les idées qu'il y a eu dans ce jeu-là vont être intégrées dans cette nouvelle génération. Mais dès que j'ai vu qu'ils annonçaient deux jeux, encore une fois, je me suis dit, ouais, j'ai un feeling, ça va être la même recette qu'avant. Non, je suis pas trop inquiet pour eux, honnêtement. Ils sont numéro 1 sur Amazon, devant Elden Ring encore. Le jeu numéro 1 sur le eShop, Legends Arceus. C'est plus les remakes là, qui ont l'air de prendre leur mal en patience. Là. Les deux remakes de Pokémon Pearl, Diamond and Pearl, qui ont l'air de... En même temps, j'espère. Ils sont sortis, sont plus laids que la version originale. Et en plus... il y a des trucs qu'il y avait dans la version originale qu'il n'y avait pas dans le jeu complet. Ouais. Mais Pokémon est plus populaire que jamais. Les ah oui, non, ça c'est sûr. C'est pas surprenant que Nintendo va milker ça. Puis moi, je suis curieux de voir un opus principal avec cette approche-là de Pokémon Open World. Ouais. Alors, j'ai un feeling que l'Open World... Parce qu'il y avait du potentiel dans Sword and Shield, mais... J'ai un feeling que ça va être... En tout cas, d'après les images que je vois... Puis qu'on a vu, je pense que ça va être quasiment un copie de Sword and Shield dans la façon de fonctionner. J'ai un feeling que ça va être ça. Ouais, probablement, mais tu sais, visuellement. Parce que c'est trop rapide en termes de développement pour, pour ben faire. Oui, c'est sûr, c'est back-to-back. C'est back-to-back. Là. Hey, c'est rendu un Pokémon par année. Là. Mais là, ils n'ont pas à faire de nouvel engin. C'est le même que Legend, c'est clair. Je sais même pas si c'est le même que Legend. J'ai plus l'impression que tu utilises Pokémon Épée et Bouclier pour vrai. Ben non. Pour vrai, les images, vous irez voir les images sur YouTube. Mais oui, je les checkais souvent. Là. C'est pas pour toi. Ah, je sais pas. De l'air du même. Ça ressemble à Arceus. Ouais, dans tous les cas, c'est décevant fin 2022 de sortir ce genre de truc-là. Mais on peut-tu parler des starters? Ils ont de l'air. Oui, mais c'est pour ça que je les ai mis. Ouais, ils sont cool. Moi, je veux le petit dino. Petit dino, il a l'air cool. Ouais, c'est le petit dino. Moi, c'est le petit mono, le petit goéland. Ah, moi c'est minou, c'est chaud. Aïe, on va l'avoir chacun, ça va être cool. François, toi, tu vas être quoi? Celui avec des ailes. Bon, tu vas être le petit canard. Bref, dites-nous dans les commentaires de la vidéo et n'hésitez pas à nous taguer sur Twitter. Vous, quel est votre starter préféré?
cette nouvelle génération qui arrivera. On les connaît même pas, Marc. En espérant que cette fois-ci, ça soit pas juste 30 Pokémon et 40 Pokémon refaits des anciens Pokémon pour nous mettre une nouvelle génération. Ben, dans mon annonce, il y en a qu'on connaît déjà. Il y en a beaucoup. Il y en a pas un. Juste des nouveaux. Il y en a une espèce un. De rush là, qui marche sur deux pattes. Exact, là. C'est le seul nouveau Pokémon. Il y en a qui ont évalué. Oui, c'est le seul y nouveau un Pokémon. Il manque de flux inspiratoire dans le département marketing parce qu'il est là en tabarnouche. Je te rappelle, dans Sword and Shield, on était rendu avec une épée, puis un bouclier, puis avec un lampadaire, puis on était rendu là. La chandelle. La tasse de thé. Là, je me souviens plus dans quelle génération, mais tant. Ouais, c'est Pokémon Sword and Shield, la tasse de thé, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le pire, c'est que quand j'ai vu ça, je m'étais dit, ah, c'est le début de l'annonce, j'étais comme, ah, c'est Détective Pikachu 2 qui sort. Oui, oui, mais moi, je me disais, parce qu'il était déjà annoncé, je me suis dit, ça va être la première bonne annonce de Détective Pikachu. Non, ça, il n'a pas parlé du tout, puis bang, les nouveaux Pokémon. C'est surprenant. Ben, c'est comme je dis, c'est surtout que. Je sais que Legend Arceus. Moi, je vais jouer comme un fou pareil. Là. Oui, oui, mais je sais que Legend Arceus était censé sortir avant le mois de janvier, que ça a été mis en retard et tout. Mais ça reste quand même que, comme je dis, ça fera même pas un an que ton dernier jeu Pokémon important, parce que Legend Arceus n'est pas un remake ou quoi que ce soit, donc c'est quand même un opus à part important. Ça fera même pas un an quand tu vas en sortir déjà un nouveau. Comme tu le dis, ça risque d'être même pas décembre, ça risque d'être novembre en plus. Ouais, mais il y aurait le temps de vendre son 15 millions puis de Charvaille. C'est très bien. Ben, bonne Noël à tout le monde. Ouais, ça ressemble quand même pas à ce que Nintendo fait d'habitude. C'est quand même un peu surprenant. Oui, ouais. C'est vrai. Alors, voilà pour cette annonce. Prochaine, les créateurs de Returnal sont déjà sur une nouvelle IP. Il fallait s'y attendre. Smart a été acheté par Sony l'an dernier. Alors, on a deux hommes heureux ici. Ah, ok. Tellement bon. Ouais, c'est pas... de la lumière et des particules qui revolent partout. C'est pas une grosse nouvelle dans le sens qu'on a. Très très peu d'informations, ça a juste été confirmé par le DG de Housemarque qu'effectivement il y a un nouveau projet en cours et ce sera une nouvelle IP, donc ceux qui voulaient un Returnal 2 va peut-être falloir attendre plus tard. Pour le moment c'est pas l'objectif du studio qui nous dit qu'il nous réserve des surprises, c'est à peu près tout ce qu'il nous a dit, on verra bien. Mais bon, c'est cool de savoir qu'il travaille sur des nouvelles IP parce qu'on aime en tant que joueur ne pas toujours avoir les mêmes jeux, puis les mêmes franchises, puis les mêmes séries, c'est cool de voir des nouvelles idées. Eux sont bons avec ça, là. C'est jamais la même. Non, exactement. Dernière nouvelle qui a retenu notre attention, c'est des acquisitions, mais là, pas rien de si. Ben, c'est quand même majeur. Oui, c'est quand même majeur, on n'a pas le prix. Qui a mis la main sur Bandcamp, la plateforme de musique. Ben oui, c'est une plateforme de musique qui vous permet notamment à des artistes indépendants de pouvoir diffuser leur musique et de les monétiser. C'est une grosse plateforme sur la scène indépendante. Et qui a été acheté par Epic Games. On sait qu'Epic Games ont également acheté Harmonix, qui sont les créateurs de Guitar Hero et Fuser il y a quelques années aussi. Et là, ils se ramassent de plus en plus des événements autour de la musique. On sait qu'ils veulent mettre des musiques exclusives dans Fortnite, mais j'ai un feeling qu'Epic Games penche sur quelque chose d'un peu plus gros. On les connaît, quand ils font des acquisitions comme ça, c'est pas juste pour développer des petites choses, c'est souvent pour intégrer un gros système. On sait qu'Epic Games vise... tout ce qui est metagaming, etc. Donc, on verra ce que ça va donner. On n'a pas le montant d'argent. Epic Games ne l'a pas révélé. C'est leur choix. Ils ne sont pas obligés, vu que c'est une entreprise, vu que c'est une acquisition de slash fusion entre des entreprises plus qu'une acquisition d'achat d'actions. Donc, ils ne sont pas obligés de dire comment ils l'ont payé. Mais j'ai un feeling que ça se chiffre quand même à plusieurs milliards de dollars, selon moi, cette acquisition. On verra dans le futur ce que ça va donner. Mais... très clairement, Epic Games qui continue d'essayer d'arriver sur tous les marchés, là, que ce soit les jeux vidéo, la musique, les films, sont un petit peu partout. Ça s'appelle la diversité de portefeuille. Exactement. Excellent, fait que ça fait le tour pour nos actualités. Tombons dans nos jeux de la semaine. Il y en a deux. Ben oui! Peppa Pig. Puis... là, tu vas faire plaisir à Max si tu parles un peu plus. Ouais. Mais je l'aurais quand même plugué. C'est tout ce que je dirais. Excellent. Mais commençons avec Horizon parce que vous êtes quand même quelques-uns à avoir joué. C'est alors, plus vieux en plus. Oui, exact. Non, mais dans les jeux, c'est celui qui est sorti en premier. Fait que c'est correct qu'on en parle en premier aussi. T'as raison. Fait que écoute, François, tu veux nous partir ça? Ben oui, je vais bien faire ça.
Bon, ben, ça fait déjà 2 semaines et demie à peu près que j'ai sorti la critique de Horizon Forbidden West sur le site Geeks.com. J'avais eu la chance de l'avoir 2 semaines-ish en avance, donc probablement 2 semaines et demie. Ouais, quasiment 3 semaines. On l'a eu 2 semaines et demie, quasiment 3 semaines presque d'avance. 3, ce qui est assez rare. Puis c'est très apprécié parce que ça nous a permis de pouvoir. Il y a du stock. Il y a du, c'est, parce que c'est ça, c'est tellement gros. Je répète un peu ce que j'ai dit tantôt. C'est sûr que si on se base au premier Horizon, qui était déjà assez monumental en contenu et en longueur, celui-là fait pas de différence au premier. Je vais commencer justement avec ça sur le fait que on a parlé d'un dernier podcast justement avant la sortie, dire bon ben Kevin qui a jamais embarqué parce que c'est trop long, Là, parce tu disais, que fais l'histoire principale, c'est mission par ça, mission, tu puis vas il se rendait avancer. pas. Mais Je suis oui, rendu vas-y. plus loin, OK? Bon. Je l'ai quand même lâché, mais j'ai été plus Elle loin. est-elle encore un bébé ou. Oui, quand même. Non, je me suis rendu jusqu'à un petit peu plus loin que quand tu te rends la première autour super-héros, là. Mais je vais persévérer. Je Auto, vous. super haut, tu Je... parles des grands coups? Non, 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 vraiment, à un moment donné, il y a une tour que tu dois grimper vraiment très, très haute. Après avoir battu un des premiers gros robots dans une région glacée, il fait frette, puis tout, là, puis. En tout cas. Donc, c'est pas un moment marquant dans mon histoire. Fait Je m'en qu'il était rappelle peut-être même pas, encore puis au je l'ai fait. début. Je m'en rappelle même plus, puis C'est je quand l'ai même fait il y a 4 mois. important, là. C'est le moment où ce qu'elle apprend quand même un petit peu plus sur sa mère, puis qu'elle parle pour la première fois avec l'autre qui a Un focus. un focus OK, ouais. mystérieux. Fait que Fait que c'est quand c'est même un moment qu'avant, important du jeu, là. c'est avant le proving. Non, 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 non. On est rendu bien plus loin. Ah, mais tu Bon, parles allez, avec les. on OK, enchaîne. anyway, peu importe. C'est too much pour Hey, moi, j'ai c'est quoi ta joué, gueule? OK? D'accord. Fait que il y en a pour des dizaines d'heures de contenu. C'est sûr que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rusher la quête principale peut-être le faire en une vingtaine d'heures, trentaine d'heures, trentaine. Par contre, je vois pas le but de faire ça. Même que les. Ce que j'ai trouvé particulièrement mieux que le premier, c'était la qualité des quêtes secondaires. Dans le premier, c'était, ben pas que c'était mince, il y en avait plein, mais c'était très générique, là. Ça faisait très open world, comme on veut faire du feeling, là, de, il y a, on va en mettre plein la vue, on en met plein, 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 puis après ça, ben, le contenu est moyen. Là, c'est pas le cas. Les quêtes secondaires ont souvent un lien avec la quête principale. Pas à 100%, mais au moins, il y a chaque section de la carte, tu as normalement quelque chose de ta quête principale, mais tu as des quêtes secondaires qui vont se greffer, s'attacher. Puis, ça fait du contenu qui est vraiment interactif. Oui, il y a plein de choses d'aller chercher des ressources de ci, des ressources de ça pour aller te faire des nouvelles armures, des armes, puis c'est sûr que ceux-là sont peut-être un peu plus lassantes, mais sauf que ce qui est pas pire, c'est que le système, comment il a été fait, c'est que de pouvoir les toutes tes jobs comme ça qui sont moins importantes, tu peux toutes les mettre en tant qu'une job. Oui, on pouvait le faire dans le premier, mais ils l'ont vraiment amélioré sur celui-là. Ce qui fait que c'est sur ta carte, t'es rendu avec plein, plein, plein d'objectifs partout. Ce qui fait qu'à un moment donné, ah ben j'ai un petit losange là d'objectif qui dit ben faut peut-être ramasser tel truc pour telle composante pour faire telle amélioration. Fait que si tu mets tout disponible, à un moment donné, tu vas toujours te promener à avoir En passant par là, en je vais passant par aller. là, je vais aller chercher tel petit objectif pour être capable d'améliorer mon sac à flèches. Puis bon. Parce Ben, que. au moins, on peut accepter toutes les quêtes Ouais. secondaires. Fait qu'on a une liste, là, tu sais, fait qu'on n'est pas limité non plus. Non. Fait que tu acceptes toutes, puis à un moment donné, tu fais celle qui te tente. Puis je trouve pas aussi, tu sais, comme on a déjà parlé avec The Witcher, puis tout ça, c'est que même s'il y a un niveau associé à chaque quête, là actuellement, j'ai encore des quêtes secondaires pas finies. Je pense que je suis rendu niveau 37, je pense. T'as encore des niveaux 5 pas faits, J'en ai là, tu sais. encore des 15, 16, 17 de pas faites, mais.
ça arrive pas que j'arrive puis que je one shot tout le monde puis que j'arrive en conquérant puis ça prend 2 secondes parce que je suis trop fort. Ça arrive pas. Est-ce qu'ils rebalancent les ennemis? Je le sais pas. Mais c'est sûr que c'est plus facile que si j'étais kiff-kiff au niveau. Mais ça se fait quand même. C'est quand même mieux fait. Les bébites sont quand même, ils ont une certaine intelligence aussi. Ils viennent te chercher puis des fois ils sont en groupe. Fait que tu vas te faire avoir avec. Tu sais, tu vas être sur une, puis t'en as un autre qui va t'arriver par le côté, puis qui va te snapper. Là, puis, il y a une grande diversité de créatures, plus que dans le premier, ou du moins, ils sont mieux répartis. On dirait que dans le premier, c'était bon, on va à telle place, on a cette nouvelle bébite-là qui arrive, puis après ça, ben, on la revoit jamais. Mais là, il y en a un peu de chaque, puis c'est quand même... Il y a des anciennes qu'on avait vues dans l'autre. Puis ils se mélangent aussi. Ils se mélangent. Il y a toujours l'éclaireur qui est partout, celle-là. Mélange avec les autres qui arrivent. Fait que là, c'est éclaireur. Il va trop vite, lui. Il est tout le temps en train de nous avoir, puis il nous voit tout le temps. Il y en a qui rentrent dans le sol, puis qui ressortent. Ce que j'aimerais savoir, François, c'est... Puis Mel aussi, tu y as joué. Moi, ce qui m'a le plus marqué quand ça a été annoncé, c'était l'ambiance générale qui me semblait beaucoup plus colorée et beaucoup plus diversifiée que ce qu'on avait sur le premier, même si l'univers du premier est intéressant, on trouvait que c'était un peu terne, entre guillemets. Est-ce que ça se poursuit tout le jeu? Dans le sens, est-ce que, tu sais, oui, au début, t'en mets plein la vue, mais est-ce que tu continues à en avoir plein la vue malgré les heures qui avancent? Ouais, ça dépend où est-ce que t'es. Ouais, les zones sont quand même diversifiées, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a beaucoup de verdure, fait qu'il y a beaucoup de couleurs aussi, très forestiers. Moi, à un moment donné, j'étais dans des montagnes enneigées, puis t'avais des lacs de glace, fait que, tu sais, là, tu sentais un peu la... c'était un petit peu plus frisquet. Après ça, j'ai eu un désert, j'ai eu... Tu sais, là, je suis rendue dans l'eau, j'ai débloqué l'outil pour respirer dans l'eau. Fait que je me promène dans les profondeurs pour aller chercher des trésors. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs endroits aussi assez diversifiés à aller se promener dedans. L'eau est plus importante que dans l'ancien. Par contre, tu sais, oui, ils font beaucoup l'emphase au niveau de la publicité sur ça. Mais elle vient d'en parler sur un outil qu'on attrape à un moment donné qui nous permet de respirer dans l'eau. De toute façon, on le voit dans, oui, on le voit dans les pubs. Là, fait que, tu sais, c'est pas un spoiler en soi. Par contre, il est long à aller chercher. Il est pas au début. Oui, il est très long. Fait, ce qui fait qu'il y a bien des choses. J'étais contente de l'avoir. Il y a beaucoup. Tu sais, oui, c'est super varié. Moi, je trouve que j'ai passé énormément de temps dans le désert. Puis le désert, il est plat. Mais pas plat dans le sens, rien à faire. C'est juste que visuellement, un désert, c'est pas ce que tu fais. C'est du sable. Mais sauf que. Il y a des tempêtes de sable aussi. Tu as des tornades à un moment donné. Oui. Puis, pas que, sans vouloir spoiler rien, mais cet espace-là existe dans la vraie vie. Oui. Fait que ça, c'est quand même intéressant de faire le parallèle avec. Elle visite les États-Unis quelque part, puis ça, c'est connu de toute façon. Fait qu'elle va visiter des villes. Là qui est l'ouest des États-Unis. Qu'on allait voir Longueuil puis Laval, moi. Non, mais même dans les vidéos d'annonce, on voit le pont, le Golden Gate de San Francisco. Ben, tu sais, on va visiter des villes connues, mais dans le futur, tu sais, de Forbidden West, dans le fond. C'est quand même spécial, justement, on reconnaît des buildings, on reconnaît des icônes vraiment très marquantes de certaines villes aussi, fait que c'est spécial. Entre autres, on voit Las Vegas à un moment donné, fait que ça, c'est quand même bien comment que c'était rendu puis tout ça, mais fait que c'est plein de belles choses qu'au niveau de l'histoire, que ça avance tranquillement, on sait pas trop, on rencontre des gens que je nommerai pas, qui fait que ça nous amène, ça mène le, faut pas spoiler, ça mène le, ben c'est pas assez plate si on le fait parce que non, ça a pas changé du premier, le scénario est ultra important, il est bien écrit et on en veut, ben pas qu'on en veut plus dans le sens qu'il y en a pas assez, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est chaque chose qui apparaît qui vont modifier le restant de l'histoire. Dans ma tête, Guerrilla Games, ils ont un joyau en termes de pas d'environnement, mais de lore en anglais, d'univers, l'histoire, puis c'est sans fin où est-ce qu'ils peuvent aller avec ça, parce qu'on est dans le futur, même si on pense qu'on est dans le passé,
ou une espèce d'entre-deux. Mais fait que ce qu'on apprend à la fin du premier est juste prolongé dans le deuxième. Donc, c'est une suite directe. Donc, c'est préférable. Suite direct, ça te passe quelques mois après. C'est préférable d'avoir fait le 1 pour profiter pleinement. Okay. Ouais, il y a une vidéo au début qui résume les grandes lignes du premier jeu pour se rappeler c'était quoi, puis peut-être pour quelqu'un qui n'a pas joué. Mais c'est sûr que d'avoir vécu l'expérience, ça aide parce que c'est les grandes lignes du jeu. Fait que c'est les lignes principales de l'histoire que tu as besoin pour rentrer dans le 2. Puis là, évidemment, il y a tout le spoiler du premier naturellement dedans. Fait que si tu veux pas te spoiler le premier jeu, regarde pas le 2. Mais quelqu'un qui a pas fait le 1, il regarde ça au début, le spoiler, il comprend même pas. Il comprend pas au complet, non. C'est juste nous autres qui se rappelaient. Ah oui, c'est vrai, il s'était passé ça. Puis... Je dirais que c'était un des points, entre guillemets, négatifs que j'ai soulevé au jeu. C'est le fait que pour quelqu'un qui a joué au premier, il est juste bien heureux. Mais quelqu'un qui a pas joué, il se ramasse à quelque chose qui comprendra rien. L'histoire, en tout cas, les mécaniques, ça va. Mais tu sais, au niveau du scénario, même s'il y a un mini recap au début, c'est très léger. Mais tu sais, on s'entend qu'on rentre dans une histoire quand tu rentres dans Horizon aussi. Oui. Puis au niveau des mécaniques de jeu, c'est la même chose. On n'est pas perdu du tout pour ceux qui ont déjà joué. Mais quelqu'un qui n'a jamais joué, il n'y a pas grand tutoriel là. C'est comme, ton arc, t'es mieux de savoir déjà comment il marche, ta roulette pour changer tes armes. Donne ton grappin en partant. Je pense que Guerrilla assume que les gens ont joué au premier. Mm-hmm. Avant d'embarquer dans le deuxième. C'est pour ça qu'ils sont allés vraiment en surface au niveau du training aussi. Le training, c'est tes premières missions. Fait que dans le fond, tu rentres déjà dans l'histoire. Puis il dit, rappelle-toi donc comment ça marche, telle patente. Puis après ça, go. Il te laisse tout seul. Là. Puis ils ont ajouté un niveau de complexité au niveau des combats sur chaque sorte d'arme. A une deuxième, quatrième façon de l'utiliser. Par exemple, un arc, tout dépendant de la sorte d'arc, tu peux ajouter, tirer trois flèches en même temps, tirer des flèches comme en cascade dans les airs, ou sinon, avec, il y a une espèce de fusil à fléchettes, là, ça peut être c'est comme que les fléchettes partent toutes dans un nuage ou droite, puis ça, on les débarre avec un arbre de compétences. En fait, plusieurs arbres de compétences, je me trompe pas, il y en a 6. Il y en a un au niveau de des combats mêlés. Après ça, il y en a au niveau de des soins. La cueillette de ressources. La cueillette, sacrifice. J'ai l'impression d'être le petit chaperon rouge tellement que je ramasse. Ça n'a pas changé. Non, mais c'est mieux fait ta sacoche est jamais pleine. En fait, quand elle est pleine, ça s'en va dans un coffre au village. Fait que t'es jamais pogné avec « Ah, ta sacoche est pleine, tu peux pas le prendre. » Ça, c'est génial. « Ah, ta sacoche est pleine, tu peux pas le prendre. » Tu sais, c'est fini, ça. Tu sais que tu te ramassais avec des ressources que tu viens de tuer une méga bébite, puis là, il y a un truc légendaire qui sort. Tu fais comme « Yeah, plus de place. » Non, ça arrive plus. Coffre au village. OK. Puis quand t'arrives au village, ben tu vas dans le coffre, puis tu sais, t'as un bouton bien facile, genre recharger toutes les composantes que t'as où est-ce qu'il y a de l'espace, puis t'es prêt. Puis c'est même au niveau de la comment faire les améliorer les armures, les armes, c'est super facile. Beaucoup mieux qu'avant. Ils ont vraiment amélioré tout, à mon avis. Ouais. C'est comme la même mécanique de jeu que le premier, mais mieux. Vraiment, ils ont vraiment ils ont raffiné, je pense, leur mécanique de jeu. Mais tu sais, comme juste dans l'autre, où est-ce que, tu sais, quand il faut scanner les ennemis, savoir est-ce que telle partie, il faut l'arracher pour avoir la composante. C'est ça, mais ils prennent pour acquis qu'il l'a déjà fait, parce qu'il y a des symboles que, tu sais, comme, qui sont les parties détachables, il y a un petit symbole comme une espèce de bouclier avec une espèce de truc brisable. Ils vont le mettre dans des petits une espèce de petite infobulle des fois pour te rappeler, hey, by the way, ça sert à ça. Mais il n'y a pas comme dans le premier vraiment un tutoriel. Là.
Fait que c'est, là, on voit à l'écran aussi qu'il y a comme deux barres de couleurs, puis notre vie est en haut à gauche. Avant, il y avait de l'endurance dans le premier. L'endurance n'existe plus, ou du moins est différente. Fait qu'il n'y a plus d'endurance sur le fait que je cours et que je suis plus capable. C'est une endurance au niveau de... en fait, la barre mauve, quand elle se remplit, on peut utiliser une grosse habileté qui est en fonction de ton arbre de compétences. Fait qu'il y en a au moins une par arbre. Des fois, il y en a même deux. Ce qui fait que tu peux faire... Puis ça, c'est quand tu l'actives, la barre mauve, elle descend, puis elle s'active jusqu'à temps qu'elle soit complètement vide. Puis ça peut être que ça booste tes coups critiques en mêlée, en distance avec un arc, ou même au élémental, ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis qu'il faut battre avec des flèches de feu, flèches acides, tout ça. Fait que la gestion de comment utiliser ceux-là, ces grosses habiletés-là, est intéressante. Personnellement, j'utilise pas tant que ça. Souvent, j'oublie. Moi, je l'utilise parce que, dans le fond, moi, j'ai activé le super bouclier. Fait que pendant un moment, les coups me font aucun dommage. Puis je vais te dire, quand t'es sur le bord de finir un boss, c'est bien pratique parce que tu veux pas mourir. Bon, tu veux pas pareil du coup. Pas toi. Moi, je l'ai même pas débarré encore, puis je trouve que ça sert à rien. J'en ai des torieux des fois qui te lâchent pas, puis que là, ils te sautent dessus, ça te donne un coup de queue dans la face, ça te pitche du feu, c'est comme « Oh my God, ok! » Je suis tout le temps en train de courir partout, parce que tu peux pas bloquer une attaque, tu peux juste l'esquiver puis te sauver. Fait que moi, il y a des combats des fois, là, il y a tellement de monde, puis là, tout le monde me pitche. Tu sais, il y en a un qui va me picher l'acide, l'autre va me brûler, puis tout ça. Fait que là, je suis toujours en train de courir puis essayer de ne pas me faire pogner, là, mais tu sais, c'est pas évident. Fait que, mais c'est pas évident. Il y en a un qui permet d'être furtif, ce qui veut dire comme mettre de quoi qui fait qu'on est invisible, qu'on a une espèce de transparence. Mais tu sais, celle-là, des fois, je l'utilise pour y aller. Comme dans le premier, il y a des camps de rebelles, des bandits, là. Puis il faut normalement en tuant le leader, ben les autres sont pas mal plus niaiseux, puis ils t'attaquent presque plus, ils sont sauver, moins bons. Ouais. Fait que ça, c'est un peu facile, par exemple. Si tu te rapproches assez, t'actives ça, tu peux arriver dans le dos du leader, puis il te voit jamais. C'est fini. Mais en même temps, ce genre de mission-là, ben qu'il soit fait vite, c'est correct parce qu'on dirait que ça, il y a encore certaines choses qui sont un peu du remplissage, mais. Ouais, c'est ça. Pas... Tu veux pas t'acharner longtemps dans ceux-là. Non. Moi, je les brûle, je leur pitche des flèches de feu. Chacun sa technique. Mel, tu m'en avais parlé, il y a une nouvelle arme qui est le Spike Thrower, qui est une espèce de lance qu'on lance, mais qui peut être explosive. Fait que soit que tu la lances sur l'ennemi ou en dessous. Puis ça pète par en dessous, c'est vraiment puissant. Mais je t'avais dit d'aller la chercher en plus. Ah, ben je l'avais du début. Tu l'avais. Ah, ouais, ben je l'avais. Ouais, mais là j'en ai une meilleure. Tu t'en servais pas? Non, elle était pas assez bonne. Mais là j'en ai une meilleure. Tout le temps, c'est le même. Il y a certains boss que j'ai eu comme ça, justement, parce qu'il y en a qui sont vraiment tough, puis que justement, ils te lâchent pas parce qu'eux autres aussi vont te lancer des affaires. Puis là, ce qui est nouveau aussi, qui est le fun aussi, c'est qu'il y a certains monstres qui vont dropper des morceaux détachables de eux, mais qui est une arme. Fait que tu peux aller pogner cette arme-là, puis la revirer contre eux, puis les shooter. Je me souviens plus celle-là. Mais c'est tellement plus fort aussi parce que c'est bien plus létal. Là. Je veux dire, eux autres, leur barre de vie, elle descend super vite avec ces armes-là. Fait que ça vaut vraiment la peine quand il y en a une à terre d'aller la chercher. Parce que ça te permet des fois de finir une carte plus rapidement que juste avec ce que tu as dans ton inventaire. Dans le premier, c'était moins explicite que c'était possible. En fait, il fallait vraiment le détacher. Puis des fois, c'était long. C'est encore long, mais des fois, là, il y en a qui traînent d'anciennes bébites déjà mortes, puis même déjà sont mortes, puis tu peux le détacher de leur cadavre. Oui, c'est quand même pas si pire. Sinon, en termes techniques, c'est super, là. Il y a pas grand faille, là. C'est super beau. Et tout dépendant où j'étais placé devant ma télé. Au début de montage, je l'ai fait en mode... favoriser la résolution, donc pour l'avoir au maximum de la qualité. Mais là, des fois, je joue un petit peu plus loin, fait que je le mets au niveau performance, qui fait en 60 frames secondes, 60 images secondes. C'est plus fluide, c'est plus fun, mais l'autre était particulièrement impressionnant au niveau du détail. Ça flashait plus.
Ben, il n'y a pas une énorme différence, mais quand on est proche de l'écran, ça paraissait. Par contre, c'est pas une latence, là. C'est quand même c'est la fluidité qui en perd un petit peu. Mais il y a des jeux que ça me prend du temps à faire le switch entre un et l'autre. Puis lui, ben, après quelques minutes, tu peux passer d'un à l'autre sans trop de misère au niveau de la latence, là. Puis l'environnement sonore est super. La rapidité de chargement, j'ai même lu en quelque part qu'ils ont été obligés de ralentir le chargement parce que le monde, il avait même pas le temps de lire les. Ils n'avaient pas Il y a les des petits textes, là. tooltips, Ouais. des hints, là, ouais, des petits ouais, les ouais, ça tooltips, va c'était pas tellement les vite. Fait qu'ils l'ont ralenti, puis des fois, tu pèses sur X pour le partir, mais dans le premier, souvent, je faisais pas de fast travel trop parce que c'était trop J'en long à fais loader. plein, là. Ben, moi aussi, là, des fois, je vais juste à côté, puis je dis, ben, regarde, tant qu'à faire comme Kevin, puis ramasser des fruits, ben, je vais faire du Comme fast ça, travel Kevin. parce que des fruits, il y en a, il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Mais Puis c'est bon, plus des facile, c'est fruits. plus Puis rapide. c'est les feux de camp, dans le fond, partout sur le terrain qui te permet de naviguer de un à l'autre aussi rapidement. Puis il y en a tellement des feux de camp partout que c'est facile de, t'sais, de revenir en arrière, d'aller plus loin en avant. Fait que ça, c'est vraiment des trouver puis des débloquer le plus rapidement possible. Puis après ça, tu as accès à n'importe où sur ta carte. T'as-tu encore un objet pour utiliser ces voyages instantanés? Parce que dans le premier, c'était des objets que tu Oui. devais avoir. Tu utilises les objets si tu n'es pas un feu de camp. Tu Exact. peux comme dépenser un objet Un pour te sleeping rendre bag. quelque part rapidement, mais OK. d'un feu de camp à l'autre, C'est c'est rendu gratuit. gratuit. OK. C'est ça. Ouais. Mais je pense dans le premier aussi, de feu de camp à feu de camp, c'était gratuit. Non. Non? Ça t'utilisait un Ah ouais. sac de couchage. Par contre, t'es trouvé un peu partout. Oui, Là, moi il y j'en en ai a jamais pas. manqué. J'en ai jamais manqué. Des Mais là, il faut que tu les fabriques maintenant. Des fabriques, tes achètes, il n'y en a pas. OK. Tandis que l'autre, dans t'es trouvé dans des caisses, t'es Ouais. trouvé un peu partout, là, il n'y en a pas. Mais ça, t'es fait, dans le fond. Ouais. Mais moi, La tu vois, j'en fais fabrication se jamais. fait vraiment bien aussi, de façon très intuitive. Tu peux autant fabriquer tes munitions que tes pièges, justement, tes feux de camp, tes... Fait que, tu sais, c'est... Puis moi, ce que j'ai toujours aimé aussi dans Horizon, autant le premier que celui-là, c'est que tu peux lancer une fabrication n'importe quand, même en plein milieu d'un combat. Fait que moi, j'étais tout le temps en train de me refaire des flèches, j'étais tout le temps en train de me refaire des pièges. Fait que c'est Bon, on n'a pas le facile choix. aussi. Non, c'est ça, puis c'est un peu ça aussi. Fait que tu sais, quand tu te sauves puis tu cours partout, là, en même temps que tu cours, tu te fais trois, quatre flèches là, pour essayer d'en faire plus. C'est le fun aussi, ça rend ça plus dynamique. Il y a plusieurs sortes d'armes. Il y en a un autre qui a un lance-disque aussi qui est quand même qui est intéressant. Là. Je ne le prends plus parce que il est plus assez fort de celui que j'ai dans ma partie, mais il est bien pour arracher des parties puis il fait du dommage sur le long terme. Fait que chaque personne peut trouver son compte dans la façon qu'il veut jouer le personnage. Puis pour revenir au personnage qu'on n'a pas parlé, ben là, elle était déjà badass à la fin du premier, mais là, elle est badass du début, puis elle a une réputation que t'arrives, tout le monde te connaît. Fait Ouais. que c'est vraiment une héroïne super, super, super. Tout le monde, c'est ça. Puis sa réputation la précède, ça c'est sûr. Puis elle a une personnalité forte, elle a vraiment confiance en elle, elle a peur de rien, elle est toujours... Puis en même temps, elle est hyper humaine, elle veut toujours aider son prochain. Aussitôt que quelqu'un est dans le trouble, elle va lui donner un coup de main, c'est capable. Puis c'est, tu sais, c'est le fun comme personnage aussi. On sent qu'il y a beaucoup de couches dans sa personnalité aussi. Fait Fait que que c'est pas tout c'est... blanc, que c'est pas tout noir, qu'il y a un petit peu de tout. Non, 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 c'est ça, il y a beaucoup de facettes. Puis elle va réussir à se faire des amis. Moi, je trouvais ça le fun aussi, tu sais, quelqu'un, tu sais, elle arrive dans un village, puis les gens sont un peu craintifs parce que sa réputation la précède, mais ils la connaissent pas pour vrai. Fait que, tu sais, au début, ils sont comme pas sûrs, puis elle va réussir avec diplomatie, elle va aller jaser avec eux autres, elle va les aider dans des quêtes, puis finalement, ils vont finir de son bord à elle, tu sais. Fait que, tu sais, elle est capable de jouer avec ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis il y a beaucoup de dialogues encore avec les roues, justement, de questions-réponses. Tu peux toujours avoir l'option de sortir de là puis de partir à l'action, sauf que tu vas manquer un bout Ah ouais. d'histoire si tu parles pas avec les gens, puis les discussions, puis il y a des dialogues qui vont avoir un impact sur la suite de l'histoire aussi. Si t'as réussi à faire, t'sais, certaines missions clés, ben les gens que tu vas rencontrer après, ils vont t'en reparler de ce que tu as Ouais, fait. c'est vrai. Si tu l'as pas fait,
ils t'en parleront pas parce que tu l'as pas fait. Tu sais, fait que dans le fond, il y a des petits changements aussi dans les dialogues selon ce que tu vas avoir fait ou pas fait encore. Puis il y a des personnages qui reviennent du premier, des connaissances de Aloy qui reviennent, en fait, qui sont des amis maintenant. Mais ces relations sont bizarres un peu, comme Mel, tu disais, c'est elle est très solitaire, autant elle aide tout le monde, mais elle pense pas à elle du tout. Fait que elle va aider tout le monde, elle a le poids du monde sur ses épaules, mais sa propre personne à elle, ben, il pense pas. Ce qui fait que même ses amitiés, je dis pas qu'il y en a, mais tu sais, amitié ou possible amour, puis je dis pas qu'il y a un amour, mais c'est qu'elle s'oublie totalement là-dedans. Ouais. Ce qui fait que même ses amis lui disent, ben, garde, slack un peu, là. Fait qu'il y a un côté. Il y a quelqu'un qui offre une bière, elle m'en a dit non, elle dit pas tout de suite, j'ai pas le temps. Il y a beaucoup de Toulon dans le jeu, en fait. C'est comme, gars, tu vas pouvoir relaxer, là. C'est comme, non, pas le temps, faut que je m'en aille. Il y a certains clans du premier qu'on revoit. Il y a des nouveaux clans, dont il y a un clan de rebelles qui est assez rough, assez intense, dont la chef Erigala, qui est pas mal, en tout cas, une méchante du jeu qu'on voit une fois de temps en temps, mais que. Puis il y a d'autres méchants que ceux-là, on parlera pas trop, parce qu'ils ont un autre niveau. En gros, j'ai donné 9.5, j'ai hésité à même peut-être un peu plus. Mais il y avait quelques petits irritants que je disais, ben c'est minime. Là. C'est le fait de qu'il faut avoir joué au premier, que des fois c'est un jeu à monde ouvert, des fois ça a ses défauts, ce qui fait que des fois il y a trop de stock ou mais c'est vraiment, vraiment, vraiment minime. Je pense que Mel, toi, de ton côté aussi, ça ressemblait à ça aussi. Là. Ça, 95, oui, 9.5. Ouais, c'est ça, on a donné la même note. Okay. Puis, recommande à tout le monde qui ont joué au premier. Puis, ben, ceux, les autres, essayez de jouer un peu au premier et avant de seul là. Sinon, ben, essayez. Plus loin, là, puis ça va aller. Oui, mais tout est mieux dans celui-là. Puis, ça augure bien pour le futur. Oui, c'est une belle franchise, en tout cas, qui ont réussi à faire Guerrilla avec Horizon. Puis, ils avaient commencé en force dans le premier. Puis, c'était le fun de rencontrer un nouveau personnage dans une nouvelle histoire, mais avec un monde riche, vraiment beaucoup de background. Puis, on embarquait rapidement aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'action là-dedans. J'ai pas trouvé trop de temps morts. Les temps morts, c'est nous autres qui va se les créer si on décide d'aller explorer. Mais si tu ne vas pas explorer, tu peux vraiment défiler l'histoire quand même assez rondement. Dans le premier, des fois, il y avait des mondes, pas des mondes, mais des villes que c'était comme, ouais, elle finit plus celle-là. Là. Je prends Meridian, qui était la capitale. Là. Il y avait du stock longtemps, longtemps, longtemps à faire à Meridian. Puis à un moment donné, c'était long, longtemps. Mais là, en tout cas, à date, j'ai à peu près 45-50 heures de jeu actuellement. Puis j'ai même pas à moitié de la carte de trouver. Mmh. Ou sinon, le deux tiers, mais tout l'Ouest encore, je ne suis pas rendu parce que je. Et puis, je vais le pot au complet, là. Je vais juste me promener. Puis, tu sais, des fois, il y a des places qu'on arrive à une caverne, puis là, avant, elle était bloquée. Ou bien, là, samedi, depuis que j'ai le truc d'eau, ben, elle dit, by the way, les cavernes de que tu as vues avec de l'eau, ben, pour qu'elles soient vraiment finies, ben, tu peux y aller, mais pour la finir, il faut que tu ramasses tous les cristaux qu'ils ont dedans. Parce qu'avant, ils n'étaient juste pas finis. Fait que c'est comme, bon, ben, j'étais allé, mais pas fini. Donc, c'est beaucoup de stock. Ouais, puis ça, c'est le fun. Je les ai faits, ceux-là, puis ils te le disent quand tu as attrapé le dernier cristal. Ouais. Fait qu'au moins, tu vas pas te chercher pour rien pour, tu sais, virer en rond. Tu dis, OK, gars, je l'ai fini, je peux ressortir. Puis, t'es écrit sur la carte aussi, entre parenthèses, qui est complétée. Ouais. Fait que c'est... Puis la carte est détaillée aussi. Puis c'est facile sur la carte de voir ce qui est fait, ce qui est accessible, puis ce qui est pas fait. Puis ce que tu peux aller, tu sais, les quêtes que tu as terminées, mais il faut peut-être parler à la personne pour comme la compléter. Il y a un petit crochet vert dessus. Fait que c'est. Mm-hmm. Je trouve qu'en plus, la carte est vraiment facile à suivre. Tu sais, c'est des codes de couleurs, mais c'est très bien. Sans légende, c'est parce qu'il y en a une, mais pas aussi complète que la première, parce qu'on n'a pas besoin d'une légende en réalité, parce que c'est clair. Super clair, là. C'est pas vraiment complexe à comprendre, au contraire. Puis elle est belle aussi, la carte, est en 3D. C'est comme un faux 3D, mais quand on zoome bien gros, ben, tu vois vraiment les montagnes qui ressortent de la carte. C'est quand même assez cool. Oui, fait que tu sais, quand t'as ton petit chemin, tu peux savoir si tu vas aller grimper aussi. Oui, puis ce qui était
le monde est... Moi, avant, dans le premier, j'étais comme, bon, je suis encore en train de grimper une montagne, puis je sais pas où aller. Mais là, le focus, notre bidule sur l'oreille, on peut scanner, puis là, sur les falaises rocheuses, on voit tous les points où on peut grimper sur les falaises. Où tu peux t'accrocher. Ça aide vraiment. C'est parce que quand, des fois, c'est bon, mais je peux pas aller là, fait que tu reviennes. Mais là, juste en scannant, on peut voir un peu le chemin à prendre pour grimper. Puis quand on est rendu en haut, ben on a un nouvel item qui est comme, ça peut ressembler au parachute dans Zelda, dans Breath of the Wild. Là. Mais espèce de... Ben, c'est un bouclier brisé qui nous sert pour planer. Fait qu'on peut être en haut d'une montagne, un qui est super haut, puis juste lancer en bas, puis ça va plus vite. C'est bien pratique pour pas avoir... Des fois, je regarde au loin, OK, je m'en vais là-bas. Puis là, je descends. Ouais, c'est pas mal pratique parce qu'avant, c'était de redescendre des fois, là, où ça, c'était pénible, mais là... Mais mourir en tombant, il faut vouloir parce qu'on peut toujours se reprendre avec ça. Good, fait que ça fait le tour. Pas mal, oui. Parce qu'on a quand même un autre jeu à review. C'est super intéressant, une grosse sortie. Je pense que ça va être dans les jeux à retenir cette année. Juste un petit peu en dessous de Elden Ring, hein, Kev? Ah, oh, c'est relatif. OK, écoute, tu as donné 9.5, tu en as parlé tantôt, c'était bien mérité. Merci pour votre critique. Puis moi, je vais m'y plonger dès que j'ai quelques minutes à finir mes autres tests, parce que c'est les tests par-dessus tests par-dessus tests. Oui, c'est la saison qui commence. Yes, c'est pas tranquille ici. Je regarde, là, même mars, c'est encore Ghostwire Tokyo, Kirby, il y a du stock là. Anyway. Dernier jeu, notre deuxième jeu de la semaine. Mel et Marc, vous avez joué à Gran Turismo sur PlayStation 5. Oui. Oui, c'est Gran Turismo 7. Pourquoi 7? C'est la première fois, en fait, depuis l'opus qui était sorti auparavant, qui était sorti en 2013 sur PS3. Donc, ça remontait quand même pas mal. Et ben, Gran Turismo revient avec un opus principal parce que c'est avoué par Polyphony Digital que ça a été un petit peu décevant ce qu'ils ont proposé avec Gran Turismo Sport sur PS4, avec la plupart des modes de jeu qui étaient malheureusement pas disponibles. Cette fois-ci, il y a tous les bons vieux classiques qui reviennent dans Gran Turismo 7, c'est-à-dire les permis, la campagne solo, le multijoueur très complet, la personnalisation des voitures dont on voit en ce moment quelques images, en plus de bien entendu y avoir quelques nouveautés. C'est là-dessus qu'on va se concentrer principalement. Il faut savoir que Gran Turismo, ça a toujours été une franchise qui se veut le plus réaliste possible. Et pour ce faire, eh bien, cette fois-ci, les développeurs ont vraiment décidé d'offrir une très très belle vitrine à l'industrie automobile partout à travers le monde, que ce soit dans ses tout débuts ou encore dans les modèles les plus récents ou même des modèles qui ne sont pas encore sortis, donc des prototypes de voitures. Et ce qui est, c'est là-dessus vraiment que les amateurs de course automobile vont s'y perdre pendant des heures et des heures, c'est-à-dire que vous avez un musée avec d'innombrables textes divisés en une timeline sur l'écran qui vous permettent de savoir un peu l'histoire de différents sujets, comme par exemple les premiers moteurs automobiles, la carrière de Lewis Hamilton ou pourquoi Bugatti a décidé d'appeler la Bugatti Chiron. Donc c'est des dossiers comme ça qui sont assez complets et qui sont vraiment intéressants. En parlant de marque automobile, ben, il y en a un total de plus de 400 modèles différents qui sont disponibles dans le jeu. Ils sont tous très bien modélisés, que ce soit à l'extérieur ou l'intérieur. Et ça, chapeau, parce que la plupart du temps, des fois, on se concentre sur l'extérieur et on oublie un peu l'intérieur. Cette fois-ci, ça a été très, très bien intégré. Et c'est, comme je le dis, un très bel hommage. Pourquoi? Parce que tout au long de l'aventure, donc la campagne de Gran Turismo qui revient, on passe par un petit café. Eh bien oui, donc un petit café dans lequel on va rencontrer des personnages qui vont nous parler et nous donner des défis en rapport avec des thématiques sur des voitures. Donc dans ce petit café-là, on va par exemple vous demander de vous procurer 3 voitures japonaises. Pour ensuite, une fois que vous allez les récolter, ces 3 voitures japonaises, retourner au café et pouvoir avoir l'histoire de ces voitures. Donc pourquoi est-ce qu'ils voulaient que vous ayez cherché 3 voitures japonaises? Pourquoi c'est important dans l'univers du jeu en lui-même? Donc c'est ce qui est très intéressant, moi je trouve, parce qu'on pousse vraiment là. Chaque modèle en plus, son petit paragraphe
sur son histoire, pourquoi il a été créé, en quelle année il a été créé, par qui il a été conçu. Vraiment, là, ceux qui aiment l'histoire automobile vont y trouver leur compte dans le jeu, ça, il n'y a pas aucun doute. Au niveau des circuits, on en retrouve quand même beaucoup, même s'ils sont assez ressemblants. On retrouve des circuits très américains, comme on voit en ce moment, donc qu'on retrouve au NASCAR ou ce genre de trucs-là, ou des modèles, des circuits très européens, comme le Nürburgring en Allemagne, et ce genre, le Spa-Francorchamps aussi en Belgique. Et c'est un petit peu comme ça que se présente la campagne au fil du temps. Vous allez remporter des voitures qui vont vous faire augmenter votre niveau de collection, qui ensuite va vous permettre d'accéder aux autres modes du jeu. Donc c'est un mode qui est obligatoire, vous allez être obligé de passer par le café, vous n'avez pas aucun autre choix parce que sinon vous ne débloquerez pas le mode multijoueur, la personnalisation de voiture, la modification de voiture, les missions qui sont aussi disponibles. Donc on est obligé de passer par là. Mais en même temps, c'est quand même intéressant. J'ai cependant quelques reproches à faire pour le mode, c'est-à-dire que j'en suis très très loin. Je suis à plus de 40 missions de café terminées. Les missions prennent quand même pas mal de temps parce que c'est 3 courses minimum à chaque fois. Donc ça peut rapidement monter en termes d'heures de jeu. Et dans lequel il faut finir top 3. Oui, aussi en plus, toujours. Et ben, ça peut devenir long et... J'ai remarqué, parce que j'ai eu la chance d'avoir le jeu en avance, un petit peu comme François, puis vraiment, c'est cool d'avoir le jeu en avance, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le jeu, puis de voir un peu ce qui s'y présente quand ça fait 20, 25 heures, 30 heures que tu es sur le jeu, à quoi ça ressemble pour ceux qui vont se rendre jusque-là. Eh bien, il faut dire que le jeu devient un petit peu répétitif. Pourquoi? Parce qu'on voit que les développeurs ont subitement, à partir d'un certain moment, vous allez voir que vos courses, ce ne sera plus juste 2 ou 3 tours, ça va être 5, 6, 7 tours. Ensuite, c'est plus juste 12 adversaires que vous affrontez, ça va être 16, 17, 18, 20 adversaires que vous allez affronter. Et tout ça, ça rend pas le jeu plus difficile. Ça rend juste les courses et le jeu plus long, en fait. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que les développeurs ont poussé pour que les heures de jeu s'accumulent plutôt qu'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Clairement, j'ai eu ce ressenti-là quand j'ai joué dans le jeu. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y a des trucs qui sont assez cool et qui sont peu nombreux. Je pense par exemple aux missions qui se retrouvent dans un petit chapiteau. Ces missions-là, eh bien, c'est des missions dans lesquelles vous allez gagner des médailles. Si vous remportez toutes les médailles de bronze, vous gagnez une voiture. Toutes les médailles d'or, vous gagnez une autre voiture. Et dans ces missions-là, c'est des missions loufoques. On a par exemple la grosse bagarre de Westphalia qui va pas plus vite que 70 km/h sur un circuit de course. On a également des courses directement dans la terre avec un camion Ford. Et on a aussi, pourquoi pas, des vieilles voitures de 1990 comme contre une voiture qui est un prototype qui roule à plus de 400 km/h et que vous devez dépasser toutes les voitures dans un seul tour. Donc, il y a plein de petits défis comme ça qui sont cool. Il y a même un défi que tu dois écraser jusqu'à 20 cônes sur le circuit. Donc, tu dois écraser tous les cônes qu'il y a sur le circuit. Donc, il y a des petits défis comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup dans le sens que il y en a 10 par chapitre et il y a seulement 6 chapitres qui sont disponibles dans le jeu. Et je trouve ça dommage, j'aurais aimé mieux qu'ils mettent un peu plus de ce genre de missions insolites qui font sortir un peu de l'ordinaire plutôt que me rallonger les courses normales qu'on en a déjà fait plusieurs dans le jeu. Sinon, en termes de graphisme, c'est pas un jeu qui est dégueulasse, on peut pas dire ça. Mais je suis pas non plus d'accord avec toutes les critiques dithyrambiques qu'on a vues depuis la sortie des critiques, c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est le plus beau jeu du monde. Non. Je suis désolé, ça c'est se mettre la tête dans le sable. C'est Elden Ring anyway. Si vous avez joué à Forza Horizon, je suis désolé, mais il est aussi beau. Donc il faut pas croire que c'est le jeu le plus beau. Et pourquoi je le trouve un peu moins beau que Forza Horizon, c'est principalement par l'utilisation du photoréalisme. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le photoréalisme, c'est une méthode dans laquelle on va utiliser des vraies images de la vie réelle pour être affichées dans le jeu. Donc ce n'est pas des modèles à proprement dit 3D. Donc ce n'est pas des modèles qui vont avoir été faits dans un logiciel pour ensuite être intégrés dans le jeu. Ce qui fait en sorte, c'est que de loin, vous le voyez à l'image, c'est assez spectaculaire parce qu'on y ajoute des effets de lumière, on y ajoute, exemple, de la pluie, des nuages et ce genre de choses-là. Mais quand on s'y approche et quand on fait attention, on remarque vraiment le même problème qu'on retrouve quand on zoome sur Google Maps. C'est-à-dire que ce n'est pas beau comme texture. La texture est étirée, tu vois que c'est une photo. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on remarque assez rapidement. C'est pas parce que je suis pointillé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a des circuits, vraiment, des circuits, par exemple, les circuits qu'on retrouve au Japon, en ville,
Les buildings, j'avais l'impression de jouer aux anciens Microsoft Flight Simulator, que le building, c'est une photo sur de fausses vitres, genre qui a un effet un peu bizarre, ces vitres. Et même chose, exemple, pour les arbres, c'est exactement la même affaire. Donc, c'est un petit peu dommage pour un jeu qui se veut être très, très beau ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il y a deux modes de jeu. Un mode qui prône, bien entendu, le taux de rafraîchissement et d'image par seconde. Et un autre mode qui vous permet d'atteindre le 4K et l'activation du ray tracing. Le ray tracing n'est malheureusement pas activable si vous voulez jouer en 60 FPS. Ça, c'est très dommage pour un jeu de course, surtout que, comme je le disais, les concurrents sur le marché, eux, le font. Et c'est ce qui va faire mal un petit peu à Gran Turismo. C'est bien beau de vouloir retourner aux classiques de l'époque, mais est-ce que ces classiques-là ont pas mal vieilli? C'est la question que je me suis posée dans le test. Est-ce que, justement, le fait d'avoir toujours la même chose, de toujours refaire les mêmes courses. Oui, c'est ce qui a toujours démarqué la franchise Gran Turismo, mais est-ce que c'est ce qui est en train de la tuer, entre guillemets, dans le sens que il faut peut-être falloir se réinventer à un moment donné, puis peut-être pas proposer un opus qui se ressemble trop, parce que le point le plus gros négatif, et on en a parlé avec Mel ce week-end, c'est les menus. Les menus sont omniprésents. Il y en a partout, tout le temps. Ils sont aucunement intuitifs. Il faut passer en permanence de menu en menu. Il n'y a aucun bouton pour revenir à la carte du monde qui vous permet d'accéder à tous les modes de jeu. Vous devez cliquer sur back, 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 back. Oh, on est de retour. Donc, c'est ça tout le long du jeu. Et je peux pas comprendre qu'en 2022, je comprenais là, quand on est en 2013, mais on est en 2022. À un moment donné, mets-moi un bouton rapide pour revenir à carte du monde. Là. Ça prend une touche. C'est pas si important que ça. T'sais. Es-tu surpris? Je suis pas tellement surpris. Je suis pas tellement surpris. Non. Pourquoi? Parce que c'est un les polyphonies peu... digitales. Exactement. Sont... C'est les vision. Rois, c'est les dieux du purisme. Puis, ouais. Regarde, j'ai pas ton expérience en jeu de course, mais j'aime ça aussi. Puis j'aime beaucoup Gran Turismo, puis j'ai adoré le 6. Je l'avais. Et pour revenir à ce que tu dis au niveau du visuel, ben moi je trouve, tu sais, le photoréalisme, moi je trouve ça super beau. Puis ils ont toujours voulu faire ça. Ouais. Ça a toujours été comme ça, puis ils changeront pas. Ce qui fait que c'est pour ça que toujours, tu sais, on dirait que les jeux de course, que ce soit Forza et Gran Turismo, c'est comme la guerre des consoles qui se met une contre l'autre dans des jeux de course. Ouais. Fait que ceux qui sont pro Microsoft, ils trippent Forza, puis ceux qui sont pro Sony, ils trippent sur Gran Turismo. Puis pourtant, ils devraient, c'est pas un contre l'autre, mais non, les deux Forza jeux sont bons, est ils plus sont coloré, différents. Exact. Il est un petit peu plus arcade, il est différent. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Puis là, tu parles des menus. Les anciens menus dans le 5, c'était une horreur. Ouais, là, je te posais la question pendant que je le fais là. Mais tu sais, moi, le 5, ce qui m'avait découragé, c'est que je voulais jouer avec des autos. Puis il n'y avait aucune façon. Il fallait que tu toutes les achètes. Puis pour les acheter, ça te prenait une quantité astronomique d'argent. Puis il n'y en avait pas. Parce qu'il fallait que... Puis en plus, pour pouvoir les avoir, c'est là, je sais pas, mais là, est-ce que ton menu est ouvert, que tu as toutes les autos, puis tu te dis, bon, mais si j'ai le cash, je vais les acheter. Mais dans l'autre, c'était pas ça. Fallait que pour une mission d'italienne, mettons que tu avais... Fallait que tu ailles dans le magasin, mais le magasin, il tournait aléatoirement. Fait que fallait que tu tombes au moment où est-ce que le jeu décidait qu'il te sacrait une auto italienne, que tu avais l'argent pour pouvoir acheter. Alors, ils ont gardé ce système de magasin aléatoire pour le magasin d'occasion. Donc, tu peux acheter des véhicules d'occasion. C'est quand même drôle qu'ils appellent ça des véhicules d'occasion parce que, côté mécanique, parce que oui, tu peux réparer, tu peux faire des changements d'huile ou quoi que ce soit. Puis, ils mettent le nombre de kilométrages exact, de la voiture à mais pour vrai, à ça fait 25 heures que... son prix. C'est ça, ça fait 25 heures que je joue, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Donc bref, t'as un marché de l'occasion qui, lui, va se mettre à jour de manière un peu aléatoire, sans heure précise, sans rien, c'est encore tout à fait perdu. Mais t'as cependant un catalogue de voitures neuves qui, là, tous les véhicules sont atteints. Mais encore une fois, ils coûtent très, très cher, les voitures neuves. Ils sont très difficiles à avoir. Le meilleur moyen de récolter des voitures, c'est vraiment de passer par le mode café, donc la campagne Gran Turismo, qui va vous permettre... si vous remportez l'objectif, de remporter des voitures, et c'est le meilleur moyen d'avancer. Parce que tu gardes l'auto que tu as débloqué. Exactement. Dans le fond, c'est ton garage, il se remplit tellement rapidement avec le café. Donc, c'est mieux que le 5, parce que le 5, c'était pas ça.
Il faut savoir que c'est réalisme aussi dans les voitures de luxe, dans le sens que vous connaissez peut-être la marque Pagani si vous êtes un amateur de voitures de luxe. C'est une marque dans laquelle tu dois obtenir une invitation pour acheter ce type de voiture-là. Par exemple, Lewis Hamilton a eu l'occasion d'avoir une Pagani parce qu'il a été invité par le concessionnaire à s'en procurer une. Et ben, c'est la même chose dans le jeu, ce qui est vraiment cool. Plus vous avancez dans le jeu, plus votre niveau de collection monte et plus vous allez recevoir des invitations pour des voitures exclusives ou de luxe. Mais il faut quand même débourser l'argent. Ils vous la donnent pas gratuit, bien entendu. Ça vous donne juste l'opportunité de l'acheter. C'est juste ça. Sinon, au niveau de la conduite, parce que ça reste un jeu de course, au niveau de la conduite, c'est sûr qu'on retrouve quelque chose d'assez de simulation dans le comportement de la voiture, c'est-à-dire qu'on va ressentir le comportement de la voiture selon le type de voiture que vous allez avoir et selon la puissance de la voiture. Mm-hmm. Néanmoins, il y a quelques types de pneus. Il y a quelques éléments cependant qui font défaut au niveau de la jouabilité, notamment l'intelligence artificielle. On en parlait avec Mel ce week-end. L'intelligence artificielle qui est une catastrophe, je trouve, dans le jeu pour un jeu sorti en 2022. En fait, c'est que l'intelligence artificielle ne catch pas que tu es là. Non. Il imagine que tu es là. Elle a sa ligne de conduite. Elle suit sa ligne de conduite. Mais si tu l'approches, elle va pas se tasser. Non, te passer d'en face. Elle va te couper dans le visage totalement comme c'est interdit dans les courses pourtant. Si tu le fais, par exemple, pendant toi, t'es pénalisé si tu le fais. C'est ça, toi, t'es pénalisé si tu le fais, mais eux... Aucun problème, ils peuvent zigzaguer dans leur ligne de course, il n'y a aucun problème. Et il faut savoir aussi que si vous trouvez que les voitures devant vous ont un comportement bizarre, donc qui bougent de manière bizarre, c'est parce que les modèles 3D sur la piste sont faits ainsi. Je vous conseille très fortement de jouer à la vue cockpit ou une vue capot ou une vue au ras le sol et ne pas jouer avec la vue extérieure, même si les voitures sont plus belles en vue extérieure parce qu'on les voit complètement. La vue extérieure a été mal faite, c'est-à-dire que quand on va bouger le joystick, ta voiture va donner des à-coups comme ça. Et quand tu es en vue troisième personne, ça apparaît automatiquement. Tu as vraiment l'air d'un robot bizarre qui est sur la voiture. Tandis que quand tu es en mode cockpit, l'intégration, l'immersion a été tellement bien faite que tu as ton volant et les mains de ton pilote. Tu sens vraiment la différence quand tu pousses juste un peu et que les mains tournent juste un peu. Tandis que la vue extérieure... C'est totalement dégueulasse et l'intelligence artificielle agit exactement comme vous quand vous voyez la vue extérieure. J'étais rendu tout seul, je ne sais pas si je vais retrouver les gens, j'ai perdu Internet, les gens sont perdus. Je suis seul pour parler de ce test de Gran Turismo. Je ne sais pas si je ne vais capable de revenir. On va voir. Ah, c'est pour ça, j'ai été déconnecté directement, c'est fantastique. On vit des choses en direct. Et là, ce qui est drôle, parce que c'est moi qui s'occupe de la diffusion, donc ils n'y ont pas accès à rien. On est en train de revenir. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Ils vont revenir. Un jour, on va revenir. C'est une unique expérience. Un jour, on va revenir. On est de retour. On est de retour. Et ça, c'est beau. Oh, on est de retour. On est de retour. Ah. Ça a complètement... Complètement ouais, tout brisé, mais... On a peut-être une durée maximum sur du Facebook. Du tout, c'était pas Facebook le problème. C'est parce que le live sur Facebook a continué, j'ai parlé aux gens. On continuait à te regarder, puis t'étais tout seul dans ta case. Voilà, j'étais tout seul dans ma case. Non, c'est les différents problèmes qu'il y a sur Facebook ces temps-ci, c'est-à-dire que si t'as un compte avec une double authentification, il te déconnecte maintenant à partir d'un certain temps, automatiquement, il te demande de te reconnecter avec ton double authentificateur. Ce qui est fantastique, donc... Bravo. On peut en profiter pour faire le wrap-up, parce que ça fait quand même une heure. Oui, ben c'est ce que j'étais en train de faire, justement. Mais qu'on n'entendait pas. Oui, on n'entendait pas, mais j'étais là. Donc, le wrap-up du jeu, ben ça reste... Ce n'est pas un mauvais jeu. Je suis pas d'accord pour se dire ça non plus. Ce n'est pas l'opus du siècle non plus. Donc, il faut arrêter dans les deux extrêmes dans la vie. Là. Tu sais, les pro-Sony et les pro-Microsoft, on se calme. Ça reste un bon jeu de course. C'est sûr qu'au niveau de la jouabilité, c'est pas parfait, comme je le disais. Au niveau de l'intelligence artificielle, c'est catastrophique. Les menus sont dégueulasses à n'en plus finir. On a l'impression d'être en 2002. Et malheureusement, ben, les dégâts visuels qui ont été annoncés par le studio sont pas présents. Sont pratiquement pas... Même là, on les voit pas tant que ça. On a remarqué qu'il y avait des dégâts quand on a joué ensemble, puis que moi, j'ai vu ton char. Ouais. Sinon... Et toi, tu le voyais pas, je t'ai envoyé une photo.
photo pour te le montrer. Parce que sinon, ça paraît ben, pas. Ben, voyons donc. Donc je l'ai scrappé ton char. Une photo. Donc, voilà. Et comme je disais à Mel... Ah non, ben, Mel... on s'est vraiment, Kevin, on s'est vraiment amusé à se foncer dedans. Là, comme je disais à Mel, j'ai dit, c'est pas grave qu'il n'y a pas de dégâts. Je peux comprendre que certaines Mac, pour les intégrer, ne préfèrent qu'il n'y ait pas de dégâts sur les voitures. Ouais. Néanmoins, n'annonce pas comme nouveauté. Nous supportons maintenant les dégâts visuels si le seul dégât visuel, c'est qu'il y a de la poussière sur ton char. C'est pas puis, un dégât visuel. C'est ça, c'est comme des petits scratchs de peinture là, qu'on voyait, puis ça jouait pas avec la jouabilité. Non, du tout. C'était purement cosmétique. Le comportement de la voiture ne changeait pas si on se fonçait dedans ou non. Puis une dernière partie que je veux parler avant de closer, c'est le tuning. Donc, la modification automobile, il y a plus de 300 pièces. Vous pouvez augmenter les suspensions, les moteurs, le filtre à air, etc. Il y a vraiment une liste très, très longue d'éléments qui peuvent être modifiés. Mais vous pouvez également décider avant une course de tout modifier, d'aller à la pression de votre pneu droite jusqu'à la pression qu'il y a à l'intérieur de votre pneu gauche arrière. Mais je gage avec un menu de chenoute. Oui, parce que c'est une grosse page. Là, c'est des menus déroulants. C'est une grosse page. Et pour bouger, tu prends ton joystick et t'as une souris qui va sur le truc et tu dois cliquer pour ensuite un menu déroulant qui toujours avec la souris. Tu dois cliquer sur ce que tu veux. Oh my god. Bref, l'ergonomie est à revoir totalement. Pour ceux qui s'ennuient des Gran Turismo, clairement vous allez l'aimer dans le sens que ça reprend les principaux modes classiques. Le mode multijoueur fonctionne bien aussi cette fois-ci. Pas de problème de serveur ni rien. Et pour ceux qui cherchent de la nouveauté ou quelque chose qui accote les expériences qu'on a eues en 2021, pas encore là. On voit que Gran Turismo recule un petit peu en arrière, mais comme t'as dit François, rien de surprenant si vous connaissez le studio. Vraiment pas surprenant à faire. Et voilà, je vous le conseille si vous avez déjà joué Gran Turismo et je vais laisser Mel finir là-dessus. La chose à laquelle j'avais chialé dans Gran Turismo Sport est encore présent dans Gran Turismo 7 pour les gens du Québec qui veulent y jouer en français. Vous devez mettre votre console en français de France parce que le français Canada le met en anglais. Non, merci. Il y a quand même beaucoup de jeux qui font ça, honnêtement. Là. Non, mais les jeux de Sony font pas ça d'habitude. Non. Il y a juste lui. Dans tous les cas, je ne comprends pas de toute manière. J'ai chialé la dernière fois, puis je chiale encore. Je ne comprends pas qu'en 2022, c'est pas toi qui choisis ta langue au début du jeu, point final. Ouais, c'est vrai. Ça devrait être un méchant point, par exemple. Donc, la Switch le fait, puis Xbox le fait aussi. La gang. Ouais, puis Xbox le fait aussi. Sony, manque le bateau. Mais bref, il y a des petits trucs comme ça. Puis, ça, juste faire une parenthèse rapide, là. Tu sais, mes enfants jouent en anglais, ça ne marche pas. Moi, je joue en anglais parce que je veux l'original, puis c'est une question de goût comme mes films. Mes enfants, non. Puis, tu sais, il faut qu'ils soient obligés de changer le paramètre de la console au complet. C'est même pas par utilisateur. Ouais, mais c'est ça qui est. C'est, effectivement, ça devrait être le cas. Dans tous les cas, je vous invite à aller à mon gros test qui est vraiment complet. Je sais que c'est long. C'est 12 minutes de lecture selon le petit temps qui est écrit en haut de l'article. Mais vous avez sans doute répondu à toutes vos questions. Le jeu sort officiellement pour tout le monde ce vendredi. Il y a déjà ceux qui ont précommandé la version 25e anniversaire qui est disponible à l'heure où on tourne le podcast. Et pour les autres, ce sera disponible le vendredi 4 mars en exclusivité sur PlayStation 5 et PlayStation 4. À noter que la version qu'on a testée est la version PS5. Je n'ai aucune idée de comment roule le jeu sur PlayStation 4. C'est dit. Mais on a quand même du fun. Moi, j'ai aimé ça. Ben oui. Excellent, fait que ça conclut de ce côté. 8 sur 10. Marc, toi, t'avais donné 8.5. Hein? Hey, on n'avait pas donné de notes, là. Écoute. Maintenant, dans les jeux qui s'en viennent, bon, on va avoir un podcast, on va décider en groupe. Mais d'ici, disons, la mi-mars, c'est pas trop pire. Il y a Triangle Strategy dont on parlait, Tunic, qui est un jeu indépendant que j'attends depuis une belle lurette. Et puis sinon, ben, le reste, c'est... Mais ça, c'est plus tard, le 25 mars. Ouais, mais Kirby, je ne l'ai pas nommé. Là, ça, c'est dans comme deux podcasts. On va jouer à Kirby quand François va jouer à Tiny Tina. Ça reste quand même... Je trouve que même si le mois de février, on le savait, c'était le gros mois, parce que tout sortait en même temps, on sent quand même qu'encore une fois, le COVID frappe fort. C'est-à-dire que oui, il y a un ou deux jeux, mais ça s'arrête là dans le sens que c'est beaucoup plus calme. Qu'avant, il y avait beaucoup plus de gros jeux qui sortaient. Oui, mais toi, c'est parce que tu joues à tout. Dis-toi qu'il n'y a pas tout le monde qui joue. Je regardais avec vous, je regardais là, tout ce qu'on a dispatché ce mois-ci. Oui, mais c'était le mois de février.
Mais en masse, quand je regarde, quelqu'un qui veut pas jouer à Triangle Strategy, Tunic, il y a rien. Ouais. Tina Tarrell, il veut pas. Kirby, il veut pas. Puis Ghost Warrior, il veut pas. Ça s'arrête là. Ouais, mais là, avec le contenu de février, j'en ai maudit. Oui, c'est pas ça que je dis. Joue à ce jeu de février. Si tu joues pas juste pendant février. Non? Ou on peut devenir très très niche, puis de parler juste d'Elden Ring à tous les podcasts. Okay, c'est bon. Puis de parler de nos découvertes. Kevin, on te perd. Allô, puis... Kevin. J'ai tué deux mobs, merci. Ok. J'ai tué deux mobs, je suis mort 600 fois. Ouais, c'est ça. Ah, tu as appris? Oui, D'accord, on va mettre fin au podcast parce que ça fait 2 heures maintenant. 1h59 et 46 secondes. Vite, avant que ça fasse 2 heures. On avait beaucoup de stock, alors merci d'avoir été là encore une fois, puis on se revoit la prochaine fois à l'épisode numéro 57. Ciao, ciao! Bye!